20h33 heure locale et nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Merci à vous tous qui êtes euh, connectés depuis euh, chez vous, depuis vos pays, vos villes. Nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir aussi euh, euh, fidèles, fidèles, au Seigneur et puis euh, amoureux de la vérité. Et euh, merci en tout cas pour vos prières. Ça fait quelques jours qu'on, n'est-ce pas, qu'on n'a pas il y a eu euh, n'est- ce pas à échanger et, et euh, voilà donc le seigneur nous a ramené saint et sauf nous tenons vraiment à lui dire merci et euh, aussi à, à, à vous dire merci pour vos prières pour euh, vos votre soutien parce que nous avons été agréablement fortement soutenus. on sentait effectivement l'effet de vos prières et euh, voilà donc ce soir comme d'habitude nous avons voulu faire un un compte rendu. Pourquoi Parce que nous estimons que nous sommes, n'est-ce pas, euh, étant, étant donné que nous sommes une famille, Et euh, il y a beaucoup parmi vous qui sont euh, au loin et qui, et bien sûr, aimeraient bien être sur place pour participer un peu à tout ce qui se passe et qui aussi euh, sont euh, encouragés quand euh, on leur fait, euh, on leur rend des comptes. Et euh, c'est aussi, aussi cela l'œuvre du Seigneur. Donc, euh, nous avons des comptes rendus au Seigneur et aussi aux frères et sœurs parce que nous sommes. Toute une famille, une équipe. Voilà. Donc, euh, que Dieu soit béni, Père, conduis toutes choses. Merci encore de nous avoir ramenés soins et saufs. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Seigneur, tu nous enseignes, tu nous fais comprendre, Seigneur, à quel point tu nous as aimés, à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous aimeras, Seigneur. Et merci encore pour les frères et sœurs de Côte d'Ivoire, Seigneur, qui nous ont encouragés, qui nous ont accueillis malgré Seigneur leurs combats, leurs difficultés, qui nous ont Seigneur nourris, qui nous ont, Papa, et qui étaient à, à, à notre disposition matin, midi, soir. Et euh, nous tenons vraiment à te dire merci Père très saint pour les cœurs que tu as donnés à, ce, à ces hommes et ces femmes, pour l'amour Seigneur que tu as mis dans les cœurs de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Nous voulons te bénir pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes amis. Euh... Le Seigneur nous a dit qu'il y allait avoir beaucoup de missions. Et euh, vous savez que nous ne fonctionnons pas en tant qu'église comme une église locale, mais comme une, une œuvre missionnaire. Donc la vision, elle est missionnaire et euh, il y aura de plus en plus de missions. Nous avons été, euh, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Et euh, il y avait un programme donc, du 6, euh, comment, du, du 7 au 13. Donc euh, on devait euh, prendre notre vol le 6... Euh, le 6, le 6 septembre et euh, il y a eu un souci avec euh, l'avion que nous devions prendre et euh, on a n'est-ce pas euh, on a été débarqué on a pris un autre vol le lendemain et, euh, matin et on arrive le soir à Abidjan et c'était aussi euh, le, le jour où débutait euh, le séminaire. Nous avons été agréablement surpris de voir que dès la première réunion, dès la première soirée, il y avait près de plus de 500 personnes qui étaient présentes. Et euh, d'ailleurs, les frères et sœurs, certains m'ont dit, hein, les frères et sœurs de Côte d'Ivoire, en tout cas certains parmi eux se disaient est-ce que cette salle va pouvoir être, n'est-ce pas et Elle était assez grande, donc ils se disaient est-ce qu'il y aura assez de monde Parce que voilà, c'était pour certains, c'était euh, c'était pas possible, hein, parce que bon, voilà. Et le Seigneur nous a tous, hein, donc euh, agréablement surpris. Nous avons personnellement, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour euh, aussi euh, se repentir. Et euh, en tout cas, le Seigneur nous a fait du bien. Beaucoup de gens étaient présents. Et euh, on, est, euh, on a été également surpris par euh, et, euh, la, la convergence hein, de plusieurs personnes qui, euh, qui sont venues de pas mal d'endroits, des gens qui sont venus de, du Congo Braza, de Pointe Noire il y a des gens qui sont venus euh, une sœur qui est venue du Togo une autre qui est venue de, du Bénin il y a une délégation assez forte qui est arrivée de qui est venue de, du Ghana que nous tenons aussi à saluer ce soir et euh, bien sûr et également ceux qui sont venus du Congo du Congo Ghana et Gab, euh, comment, euh, Congo euh, Bénin et euh, Togo il y a aussi la forte délégation du Gabon que nous tenons aussi à saluer et euh, pour euh, aussi leur implication des gens, un couple de Côte d'Ivoire, hein, originaire de Côte d'Ivoire, qui est arrivé euh, depuis l'Italie, spécialement pour ce programme. Et euh, des gens sont venus de, des Antilles, de, du Canada, et euh, voilà, de plein d'autres endroits, et euh, de provinces également. Et euh, donc, il y a vraiment eu une action de l'esprit, une convergence sur le, euh, le sol d'Abidjan. Et euh, en tout cas, merci à vous tous. Nous avons réalisé à quel point Dieu est grand. Nous avons vu des frères et sœurs qui ont leurs défauts comme nous autres et qui n'est-ce pas cherchent, qui recherchent la vérité et qui étaient présentes. Et euh, honnêtement, euh, en partant, nos cœurs étaient déchirés. Et euh, je ne vous cache pas personnellement, je voulais y rester encore parce que et quand on voit les besoins qu'il y a, la souffrance des frères et sœurs, les maladies dont certaines certaines personnes étaient frappées. Et euh, on a vraiment eu à, à cœur de, de continuer. Voilà pourquoi nous avons euh, été poussés par le Seigneur à annoncer encore un autre programme. Il y a une autre mission d'ici à, à décembre, si Dieu le permet. Donc euh, après le 18 décembre, parce qu'il y a vraiment une forte euh, une demande. Et, euh, et euh, j'ai compris aussi en même temps pourquoi certains missionnaires pleuraient quand ils devaient quitter les lieux où ils étaient envoyés en mission tellement qu'il voyait la souffrance qu'il y avait là-bas, les besoins qu'il y avait, et euh, pourquoi certains revenaient plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que le feu prenne, parce qu'il voyait qu'il y avait tellement de ténèbres qu'il fallait à tout prix que le, la, la lumière arrive. Amen. Et euh, donc euh, le Seigneur nous a beaucoup appris sur euh, et euh, sur la souffrance des gens, les besoins, comment quitter aussi nos conforts et euh, notre entrain de vie pour aller aux besoins des nécessiteux, comme lui-même le Maître l'a fait vis-à-vis -vis de nous. Et euh, donc, euh, que le Seigneur, en tout cas, soit vraiment euh, béni pour euh, cette, euh, cette belle œuvre, en tout cas, qu'il accomplit euh, au sein de son peuple. Et euh, vous savez, à mission, ce que Dieu nous a appris, ce que Dieu nous apprend également, et c'est euh, les missionnaires, les missionnaires sont ceux et celles qui, n'est-ce pas, partent quelque part, là où justement il y a les reines, le règne de l'ennemi, là où il y a les ténèbres, pour apporter, n'est-ce pas, la lumière. Amen. Et euh, je me rappelle... Euh, de, des missionnaires euh, qui sont euh, partis notamment en Chine et euh, qui sont arrivés, qui ont trouvé un pays complètement fermé à l'évangile, qui ont appris comment s'habiller, euh, la manière de s'habiller euh, des Chinois, le, le, la nourriture qu'ils mangeaient, qui ont appris à, à coucher, à dormir par, par terre pour pouvoir leur venir en aide. Et euh, j'étais personnellement aussi beaucoup touché quand euh, nous sommes allés dans un village euh, vitri et euh, on a fait une piste assez longue. Et, euh, qui était assez loin, de, éloigné de la, de la route principale. Et euh, j'ai pu voir, on a pu voir euh, ces villageois dans des souffrances atroces. Et euh, mes amis, c'était euh, un, un grand enseignement. Et la prochaine fois qu'on va repartir à Bidjan, je crois qu'on va beaucoup travailler aussi, dans, dans, si Dieu le permet, hein, dans, dans les villages. Et euh, pourquoi Parce qu'on a pu voir comment les ténèbres se sont reculées. Et euh, de voir des enfants... Et euh, dans la sorcellerie, et qui, euh, n'est-ce pas, euh, n'avaient certainement pas encore rencontré la puissance, véritable la puissance de Dieu, et, euh, et qui se sont avancés pour, pour être euh, délivrés, et comment le Seigneur les a délivrés. Je pense que vous avez pu voir l'image de cette, euh, -ce pas, cette, cette réunion. Et euh, on a pu voir aussi à Yopougon, une des villes de la Côte d'Ivoire, hein, d'Abidjan, et euh, comment cette jeune fille euh, qui, euh, qui a 13 ans, et, euh, frappé par, par n'est-ce pas, une sorte de malédiction liée à la sorcellerie, et avec son père et euh, sa, son frère, qui ont fait euh, plusieurs kilomètres, ils sont, ils sont venus de, de province, parce que cet enfant, cette jeune fille justement, a été euh, initiée à la sorcellerie, on lui réclamait son père, et euh, il regardait les émissions euh, depuis euh, leur province, et... Et des émissions de TV de vie, bien sûr. Et, et, et là, ben, sur place, là-bas, à Yopougon, le Seigneur a libéré cet enfant. Et euh, on a pu voir la joie sur son visage quelques jours après. Et, euh, voilà. et, et, et c'est beau de voir, mes amis, la transformation des cœurs. Amen. Et, euh, et euh, on comprend aussi que quand on reçoit l'onction, ce n'est pas pour, pour rester avec les bonnes personnes, mais c'est pour aller vers les malades. Le Seigneur disait qu'il n'était pas venu pour les bonnes personnes, pour les malades. Et, euh, et ça, cette mission nous a beaucoup, en tout cas, beaucoup encouragé. Et euh, j'ai pu voir des, des villageois, qui, des frères et des sœurs qui sont venus du village, et qui avaient tellement soif qu'il qu n'y avait, avait pas d'endroit pour les loger. Et, et, et bah, ils sont dormis dans l'herbe. Et euh, c'est vraiment, euh, le Seigneur, en tout cas, nous a beaucoup appris. Et euh, voilà, donc... Euh, avant de pouvoir recevoir vos coups de fil, parce que vous allez certainement aussi appeler pour poser des questions. Et euh, alors il y a de plus en plus de demandes, des gens qui demandent à ce qu'il y ait des missionnaires et euh, pour, pour, pour aller chez eux, pour apporter l'évangile. On va euh, prendre un passage pour justement euh, parler encore de la mission et euh, pourquoi la mission et qu'est-ce qu'est la mission. Donc les, on va essayer de parler un peu là-dessus. Euh, et euh, voilà. Nous sommes dans Jean chapitre 3. C'est un passage que nous connaissons tous. Et euh, le verset 16, je crois que c'est le verset le plus connu de tous les, de tous les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Voilà, donc euh, nous avons ici bien sûr le verbe envoyer. Et euh, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Alors, il y a plein de choses que nous pouvons, plein d'enseignements que nous pouvons tirer de ce passage. Et euh, envoyer, être envoyé. Mais être envoyé auprès de qui Dieu, euh, mes amis, ne nous envoie jamais auprès des personnes bien portantes. Et le Seigneur disait qu'il n'était pas venu justement pour sauver les, les bonnes personnes, mais les malades, parce que ceux, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Et les envoyés, justement, les missionnaires, sont comme des médecins. Vous voyez des médecins qui, euh, qui sont envoyés, mais les envoyés en question, bien sûr, sont motivés par la compassion et euh, par l'amour pour les personnes auprès de, auprès de qui dieu les a envoyés. donc le plus grand missionnaire, c'est notre dieu lui-même. voilà. donc euh, si l'on veut apprendre sur, sur la mission, on doit bien sûr regarder à notre dieu. et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu s'incarne. Dieu s'est incarné. Dieu va quitter son, son trône. Il va quitter son confort. Il va quitter ses, ses, tout ce qui, n'est-ce pas, faisait sa gloire au ciel. Et euh, tout ça pour s'incarner. Et, euh, et, et la parole nous dit justement dans 1 Timothée chapitre 3 et, euh, que c'est un mystère. Verset 16, car le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Alors pourquoi Dieu va-t-il se manifester en chair Parce que tout simplement, nous avions besoin d'un missionnaire. Nous étions tous dans nos souffrances, dans nos problèmes. Et, euh, et, et, et Dieu s'est dit, eh bien, je dois aller sauver ces personnes, n'est-ce pas, qui se sont éloignées de moi. Et quand il est arrivé, dans quelle situation, dans quelles conditions, Dieu... A-t-il trouvé la terre Eh bien, il a trouvé la terre dans la sorcellerie. Et euh, nous étions tous sorciers. Tous. Parce que le, la sorcellerie, c'est le mensonge. Nous étions tous dans le mensonge. Et euh, le mensonge, c'est la duplicité, c'est l'hypocrisie. Et tout ça. Donc on était dans tout ça. Et Dieu n'a pas regardé à sa gloire, n'a pas regardé. Et la parole nous dit qu'il s'est vidé lui-même. Voilà le principe de la mission. C'est se vider. Et euh, vraiment. Et pour aller aux besoins des nécessiteux, aller aux besoins des malades. Et, euh, et le missionnaire est celui qui, bien sûr, va, s'il constate un besoin, s'il constate un problème, il peut même aller jeûner sur place pour les gens. Il va pleurer, il va gémir quand il voit des problèmes, il va plier ses genoux. Et. Euh, et euh, je me rappelle quand on était encore enfant et les missionnaires qui venaient en Afrique, et, euh, et notamment les prêtres catholiques, et euh, ils s'habillaient comme les gens du pays. Ils avaient appris même, les, 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 pas forcément les quatre langues nationales, telles que le lingala, notamment en ce qui concerne le Congo, mais également des dialectes. Parfois que certains Congolais, ou la majorité même des Congolais ne connaissaient pas, et eux, ils apprenaient, ils parlaient couramment et correctement ce dialecte. Et c'est ce qui a tiré encore davantage les gens. Le missionnaire, quand il arrivait, il était avec, n'est-ce pas Ces missionnaires, quand ils venaient, ils étaient vraiment confondus dans la masse. La seule différence qui se voyait, qui était, qui était là entre eux et, et les, les gens du pays, c'était la couleur de la peau. Et ils ont pu, alors qu'ils avaient apporté un faux évangile, ils ont pu gagner beaucoup, beaucoup de personnes, des millions de personnes, pour le compte de l'Église romaine. Et, euh, et, et c'est vraiment impressionnant de voir la manière dont le Seigneur, mes amis, euh, euh, a opéré. Donc il a quitté sa gloire parce qu'il a aimé le monde. Et euh, on dit bien, le monde était plongé, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Et, euh, et lui, il arrive. Et qu'est-ce qu'il va faire, notre Dieu Il va y rester pendant 33 ans. 33 ans de mission, vivant parmi les pécheurs, parmi les moqueurs, parmi les religieux, parmi les, es les, 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 les esclaves du péché. Il a vécu avec eux, il a parlé, il a parlé euh, leur langage. Il euh, s'est tellement confondu que quand euh, Judas l'a vendu, le signe qu'il a donné aux gens qui étaient venus l'arrêter, c'était la bise, parce que c'était comme tout le monde. Et, euh, et ça, c'est très frappant de voir comment le Seigneur s'est pris pour pouvoir nous sauver. Et la parole nous dit dans Philippiens qu'il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire, le missionnaire, à l'air quelque part, il est comme les gens du pays. Comme les gens du pays. Et c'est terrible de voir comment notre missionnaire le plus important, le plus grand, s'est pris pour pouvoir nous sauver. Et, euh, et, euh, et puis ensuite, on nous dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Bien sûr, il fallait la compassion, il fallait l'amour, s'identifier aux gens. Et, euh, et c'est ce que le Seigneur justement a fait et c'est pour cela que nous autres, nous sommes devenus chrétiens. Et nous ne devons en aucun cas oublier, frères et sœurs, que l'Église du Seigneur est une Église missionnaire. Et beaucoup, malheureusement, ont oublié cet aspect de la mission et ces églises-là restent sur place et, euh, euh, pendant des années et elles finissent par mourir. Et ces dirigeants restent plusieurs années à la tête de leurs assemblées, oubliant que l'Église, n'est-ce pas, est une Église missionnaire. Et c elle, ils finissent par mourir, et malheureusement, et, euh, des âmes ne sont plus, euh, ne sont pas sauvées. Donc, le Seigneur a dit justement en ce qui concerne l'Église, il a dit aux apôtres dans Matthieu 28 Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un autre aspect de la mission qui n'est pas bien comprise, qui n'est pas bien compris par, 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 par beaucoup. Et euh, Par nous, Chrétiens. Matthieu 28. Nous lisons à partir du verset 16. Mais les douze disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Jésus s'étant approché, leur parla en disant. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou encore jusqu'à la fin, n'est-ce pas, ou jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen, nous dit les Écritures. Donc voyez. Et euh, c'est fort ici, nous avons le Seigneur, notre Dieu, qui est le plus grand missionnaire, qui a quitté son trône, qui a quitté sa gloire, qui s'est identifié à nous, qui est resté 33 ans sur Terre pour travailler, qui a pris son temps pour former les gens qui étaient voleurs, qui étaient bagarreurs, qui étaient hypocrites. Il a pris son temps pour, ses, pour les former, il s'est identifié à eux. Ensuite, euh, il a fini sa mission et il va maintenant, bien sûr, de nouveau, confier cette charge à tous les chrétiens en disant ⁇ Allez ⁇ Dans le grec, le verbe ⁇ aller ici ⁇ est dans le présent continu. Donc, c'est-à-dire ⁇ en permanence, nous sommes missionnaires ⁇ En permanence, nous sommes amenés à quitter nos conforts. En permanence, nous sommes appelés à quitter nos habitudes pour aller vers les perdus. En permanence. Dieu n'a jamais dit ⁇ Restez entre vous à vie ⁇ il n'a jamais dit rester entre vous seulement matin, midi, soir. Il a dit allez, allez et faites. Donc c'est un ordre que nous avons reçu. C'est un ordre. Et nous devons, bien sûr, euh, nous mobiliser en tant que chrétiens, surtout en ces temps difficiles, en ces temps de la faim. Voyez-vous même ce qui se passe dans le monde. Nous devons davantage nous mobiliser pour la vision missionnaire. C'est capital, c'est important. Donc, on voudrait d'abord parler de la vision de l'ecclésia n'est-ce pas, ce qui concerne ça dans la mission. Et aussi vous parlez, n'est-ce pas, de comment faire, hein, de, de, comment faire pour euh, répondre correctement à l'appel missionnaire. Donc il faut d'abord comprendre la vision, parce que le problème c'est la vision. Quelle est notre vision C'est la mission. Voilà. C'est la mission. C'est la mission. Et, euh, et euh, la vision pastorale déformée a tordu la, la vision missionnaire de l'Église. La fonction pastorale mal comprise, mal enseignée et mal exercée, je dirais aussi, a déformé la vision de la mission. Ce qui fait que des chrétiens veulent à tout prix, à tout prix, rester dans leur bâtiment d'église ou dans leur maison d'église. Et en restant ici à vie, ils meurent. Ils se mangent après les uns les autres. Ils se congratulent. Ils se, se glorifient. Et ils meurent. Ils meurent. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des millions de gens qui sont chez eux, dans leur village, qui meurent, à qui Satan fait croire qu'il est puissant. Et ces gens-là doivent être éclairés avec la lumière de l'évangile. Et euh, le missionnaire est celui qui, euh, on va définir par le missionnaire, il est celui qui, n'est-ce pas, abandonne sa famille, abandonne ses enfants. Et euh, j'ai euh, eu quelques retours des frères qui sont partis en mission, et, euh, notamment des enfants qui pleuraient parce que papa est parti en mission. Vous voyez cette souffrance là que les enfants peuvent éprouver de ne pas voir leurs parents pendant quelques temps et euh, là c'est qu'une semaine que nous sommes partis et précisément six jours, n'est-ce pas Donc vous allez vous apercevoir que eh, c'est on veut déjà regagner son lit, regagner son pays, regagner sa famille, regagner ses c'est pour vous montrer à quel point on sent déjà qu'au niveau des familles il y a des déchirures. Hein? Donc pour vous montrer que eh, c'est pas une chose facile la mission, il faut aimer Dieu, il faut mourir à soi-même pour pouvoir être un instrument du réveil entre les mains du Père. Et, c est, c est, et euh, je me rappelle, ce n'était pas évident pour nous, pour moi, quand je commençais à la à mission, les enfants étaient encore petits, parfois mon épouse était enceinte, qu'il fallait que je parte et que, parce qu'il y avait une urgence et qu'on m'appelait pour dire « elle vient d'accoucher ». Et parfois, elle venait d'accoucher, il fallait laisser le bébé pour aller en mission. Et, euh, et, et parce qu'il faut amener ce, ce, ce vent du réveil ici et là. Il y a un prix à payer. On ne peut pas vouloir le réveil sans payer le prix. Donc, vous tous qui nous suivez, qui aspirez à la mission, il y a un prix à payer dans toutes les œuvres que Dieu opère dans nos vies. Et là, le Seigneur disait justement, et, euh, et euh, comment, par rapport à la mission ici, il disait à l'Église justement, allez, allez, n'est-ce pas Et euh, pourquoi Parce que les disciples ne voulaient pas bouger. Il ne voulait pas bouger. Rappelez-vous bien quand Pierre, même après la Pentecôte, quand Pierre, euh, Dieu envoie des gens, notamment Corneille, euh, qui envoie des gens pour aller chercher Pierre Pierre, pas, Pierre. Pierre a bien sûr a, a hésité. L'Esprit lui dira, va, et, et, et c'est moi qui envoie ces gens. Et rappelez-vous bien quand Pierre revient à Jérusalem, et euh, les, les, apôtres, les apôtres, les docteurs, les prédicateurs lui diront, eh bien, tu es parti chez les inconvertis, tu as mangé avec eux. Pierre devait carrément se justifier. Pour leur dire que Dieu a accordé le salut aussi aux inconvertis, aux nations. Et, et c'est terrible quand on comprend la mission. On se dit, mais Seigneur, le missionnaire est vraiment quelqu'un qui est mort. Le missionnaire est une personne, mes amis, qui n'a plus de pays. Qui n'a plus de pays. Parce que <laughs> Dieu dit toutes les nations. Allez. Donc, il est en permanence. L'église est une église qui est en mission en permanence. C'est une église qui n'a plus, n'est-ce pas, de pays. Ce n'est que la, sa patrie céleste. Donc, euh, et c'est ce que le Seigneur nous a enseigné pendant des années, depuis des années, et c'est ce qu'il nous enseigne au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Et euh, quand on voit ce qui nous a apporté l'évangile pour que nous soyons aujourd'hui devenus chrétiens, le prix qu'ils ont payé. Il y en a, ils ont quitté leur famille un an, deux ans. Et euh, il y en a, ils n'ont pas, ils ils ont, ils ont pas vu grandir leurs enfants tellement que Dieu les a, a mis sur leur cœur un tel fardeau. Et. Euh, et là, le Seigneur dit, allez, donc en permanence, en permanence. Bien sûr, on ne va pas euh, commencer à vouloir euh, organiser les missions de manière charnelle. C'est Dieu, bien sûr, qui nous montre hein, le temps, le moment. Mais parce qu'il y a deux types de missions qu'il faut bien comprendre. La, le premier type de mission, c'est euh, ce qu'on appelle le, le, la mission globale, générale. C'est-à-dire, nous sommes en permanence en mission. Par exemple, je prends un exemple, vous allez à l'école, étant chrétien, ben vous devez vous dire que vous êtes missionnaire. C'est-à-dire, à tout moment, vous pouvez partager la parole à vos collègues, vos amis, à vos professeurs, à tout moment. Nous sommes comme des soldats en permanence, qui sont, euh, qui sont en guerre en permanence, et à tout moment, ils peuvent être utilisés par le Père. Par, notre, par leur Dieu, par notre Dieu, pour agir. Donc ça, c'est la première mission, c'est une mission générale. Aller au travail, on peut évangéliser, on peut témoigner de Christ. Et pas forcément de manière orale, on peut aussi le faire par notre attitude, notre manière de parler, de nous habiller, de nous comporter, qui peut toucher les autres. Donc nous sommes en permanence en mission. Et euh, dans la rue, notre manière de, par, de parler, de nous habiller, de nous comporter, d'être avec les uns des autres, on est en permanence en mission. Donc on est des témoignages, on est des, des lettres, comme Paul le disait dans 2 Corinthiens 3, vous êtes manifestement hein, des lettres de Christ, n'est-ce hein, pas, écrites par nos ministères. Littéralement, vous êtes des messages. Mm -hmm. hein, et pas des messagers, mais des messages. Et ça, c'est la première mission, c'est la mission globale, la mission générale. Et le deuxième type de mission, c'est les missions spécifiques. Alors là, il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, et par exemple, c'est ce que nous venons d'effectuer. De, ça, c'est le deuxième type de mission, c'est les missions bien spécifiques. C'est-à-dire, Dieu vient. Et il imprime une pensée, un besoin dans le cœur d'une personne à la base, hein, donc au départ. Et la personne maintenant va partager ce fardeau, parce que la mission spécifique, c'est aussi un fardeau. Et s'il n'y a pas ce fardeau, on ne peut pas être missionnaire, on ne peut pas, bien sûr, exercer correctement la mission. Donc c'est un fardeau que Dieu vient et dépose sur le cœur de la personne. Du coup, ce fardeau est accompagné par l'amour agapé. Tu vas voir les autres comme tes propres enfants, comme tes propres frères et sœurs, comme tes propres parents. Et, euh, et ça, c'est terrible parce que cette, ce fardeau-là te pousse à te sacrifier. Et euh, l'apôtre le, le, Paul, justement, dans Actes chapitre 16, et, euh, il était dans une. Il était avec une équipe missionnaire et il n'y avait pas de, mission, de, de, de vision claire concernant la vision. Acte chapitre 16. Le Seigneur dit au verset 6, la parole dit Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendu d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de Misi, De la Misie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent ensuite la Misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision d'un homme macédonien qui se présenta devant lui et le pria, le pria disant, passe en Macédoine et secours-nous. Passe en Macédoine et secours-nous. C'est ça la mission. Nous allons, les missionnaires partent, un jour si tu vous envoie en mission, vous irez pour secourir les nécessiteux, pour secourir les malades, les gens qui sont dans les besoins. Et euh, parfois en mission, on voit tellement des besoins n'a même pas le temps de se reposer. Parce qu'il faut à tout prix écouter, enseigner, partager, nourrir, aider totalement. Et, euh, et là, et, euh, Paul a tâtonné à deux reprises et pendant la nuit, Dieu lui donne une vision, un macédonien. Et, et, et rappelez-vous bien que les macédoniens étaient euh, et bien sûr des euh, Grecs. Et Paul était, n'est-ce pas, euh, était juif. Et Dieu lui dit, ben justement, va à Macédoine. Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Waouh Donc après la vision de Paul, vous voyez bien que la vision spécifique c'est une vision que Dieu communique à une personne. Il ne la communique pas à plusieurs personnes en même temps. Non, ça fait des ordres. Dieu Donne la vision, la première vision, la vision globale, générale à tout le monde, à tout le corps. Allez, il a dit à tout le monde, allez. Là, bien sûr, il y avait les apôtres et d'autres disciples, il leur a dit d'aller. Ça, c'est aussi en même temps l'église, bien sûr, parce que nous sommes en permanence à mission. Mais la mission, la, mission, la vision spécifique, c'est une vision que le Seigneur confie, confie à une personne, homme ou femme, peu importe. Et, et, et là, maintenant, le Seigneur va mettre autour de la personne des gens qui vont embrasser la vision, qui vont, n'est-ce pas, saisir cette vision dans l'esprit. Et comme c'est le cas ici, là c'est Luc qui écrit, hein, donc euh, le médecin, il dit qu'après la vision de Paul, il précise bien après la vision de Paul. Vous voyez, c'était une équipe, mais Dieu n'a pas parlé à tout le monde dans un premier temps. Oui. Et on nous dit qu'ils ont, n'est-ce pas, et, euh, conclu et euh, que Dieu les a appelés là-bas. Et le verbe conclure ici nous parle de, euh, n'est-ce pas, de la, de, la, de la fusion. Il y a eu vraiment fusion, n'est-ce pas, de, 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 de pensées. Et euh, ils avaient une même pensée. Et le verbe chercher ici dans le grec signifie creuser, comme on, creuse un, 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 comme on creusait à l'époque des puits, creuser jusqu'à trouver de l'eau. C'est-à-dire chercher jusqu'à trouver. C'est-à-dire la mission, c'est ça tant que les ténèbres ne se sont, sont pas réculés on ne peut pas être satisfait c'est ça la mission le verbe grec signifie ici chercher jusqu'à trouver et tant qu'on n'a pas trouvé on ne peut pas s'arrêter de chercher donc c'est pas euh, du tourisme c'est pas euh, on va saluer vite fait les gens mais on va dans un but de trouver, de trouver quoi De trouver justement, euh, de chercher la délivrance des gens, la libération des cœurs, jusqu'à ce qu'il y ait véritablement le feu. Partout où le Seigneur nous a amenés, où il y a eu des, des vents de réveil, frères et sœurs, euh, il y a eu un travail dans les coulisses au préalable. Il y a eu un travail de pionnier. Vous savez, ceux qui cherchent l'or savent ce que c'est. Pour trouver des pépites d'or, il faut creuser, creuser, creuser parfois sous terre à des kilomètres et des kilomètres. Creuser jusqu'à trouver les pierres précieuses. Et euh, les pierres précieuses, on ne trouve pas à la surface, hein, mais en, dans, les, dans les profondeurs. Oui. Et c'est ça la vision de la mission. Et euh, comme je disais, et, euh, la mission est, est toujours une occasion pour Dieu, que Dieu utilise pour pouvoir nous apprendre, pour nous former. Et, euh, et euh, c'est vraiment euh, important de saisir ces, ces choses-là. Le missionnaire n'est pas celui qui va quelque part qui demande à ce qu'il mange matin midi soir non le missionnaire il arrive quelque part je me rappelle encore en Côte d'Ivoire les sœurs qui nous préparaient la nourriture j'ai vu comment que Dieu les bénisse en tout cas et euh, voilà il restait trois quatre jours on parlait avec une sœur par rapport à la nourriture tout ça qu'est-ce qu'il fallait faire je lui ai dit écoutez et euh, faites même tous les jours le même aliment c'est pas un problème voyez Donc ce n'est pas un problème, ne vous tracassez pas, ne vous embêtez pas, vous faites déjà beaucoup pour nous, nous pouvons manger tous les jours de la loco, hein, de plats locaux, plat ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas venus pour avoir des plats succulents, des mets succulents, mmh. nous sommes des missionnaires, un missionnaire, n'est-ce pas, ne doit pas regarder à son confort. Mmh. Voilà, donc, et, euh, et, et, et c'est vraiment important de comprendre ces choses-là, chercher jusqu'à trouver. Et, Trouvez quoi, comme je disais, qui est des conversions, Amen. mais pas des conversions des, des gens qui avaient déjà une pensée par rapport au Seigneur, qui avaient déjà euh, une des bases, mais des gens qui sont euh, des grands satanistes mm. où l'on peut dire Seigneur, là, Dieu agit, mm. le Seigneur agit, le Seigneur agit, le Seigneur agit, et euh, et le missionnaire et comme on a vu ici, donc ils ont dit ils ont, euh, ces missionnaires se sont dit nous allons chercher, nous allons ch et ils ont cherché. Ils ont cherché. Et quand on regarde, frère, nous sommes à Macédoine ici. Hein? Et quand on regarde, les conséquences de la mission de Paul, regardez ce qui s'est passé. Paul arrive dans Acte 17, hein? déjà Acte 16, plus loin, on nous dit que Paul va chasser un démon de Python. Et les propriétaires de cette femme qui avait l'esprit de Python, qui devinaient et qui leur procuraient beaucoup, beaucoup de profit. Ces propriétaires étaient tellement en colère parce que euh, l'objet de leur, euh, n'est-ce pas, euh, enrichissement était, euh, euh, était délivré, donc notamment cette femme. Mais bah, ils sont rentrés dans une colère, euh, dans une grande colère, et ils ont fait arrêter Paul et Barnabas, et Silas. Et regardez, on nous dit que Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Leur vie était menacée. Et, et, euh, mais qu'est-ce qu qu qui s'est passé nous sommes, Ils sont arrivés à Philippe, hein, la première ville de la Macédoine. Et c'est là qu'ils vont être persécutés, emprisonnés. Ils prient, ils chantent, ils prient, ils chantent dans, en prison. Et il y a eu un tremblement de terre et des prisonniers étaient libérés. Donc voilà la mission. Ils creusent, ils creusent comment Dans la prière, dans le chant, délivrance des prisonniers. Le géolier qui les surveillait et sa famille sauvés, baptisés, n'est-ce pas Et on va laver leurs plaies, blessés, et ils sortent de là. Et ils vont où, mes amis Ils se retrouvent à Thessalonique une autre ville de la Macédoine. Ils vont prêcher la parole, ils vont prêcher la parole, ils vont prêcher la parole là-bas, et euh, ils ont été persécutés, et il y a eu des conversions, notamment des Juifs de Béret, une de ville, n'est-ce pas, de la Macédoine, et, euh, et quand on regarde par la suite les, les écrits de Paul, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, l'épître de Paul, les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens, et l'épître de Paul aux Philippiens, on comprend le travail qui a été, mes amis, abattu, on comprend aussi et on voit que Paul avait une relation particulière avec les églises de la Macédoine. C'était les seules assemblées de, 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 de du premier siècle qui avaient noué une relation aussi particulière et familiale avec l'apôtre Paul. Et 2 9, 2 Corinthiens 8 et 9 les confirment. Paul dit que ces chrétiens étaient tellement pauvres sur le plan financier qu'ils euh, ils étaient d'abord donnés à Dieu eux-mêmes, et ensuite ils avaient participé matériellement et financièrement à la mission de Paul, le soutenant dans, son, dans, son, dans, sa, dans sa mission. Et, et Paul dit, même dans Thessaloniciens là-bas, Thessaloniciens 2, il dit qu'ils étaient comme des nourrices par rapport à ses frères et soeurs de la Macédoine. Il dit que, il dit que c'est là, hein, Paul, Paul va écrire ces deux, deux épisodes aux Thessaloniciens pour leur parler, de, de les encourager parce que beaucoup étaient persécutés, beaucoup étaient exécutés, beaucoup étaient morts euh, parce qu'ils avaient accepté la, la vérité de que Paul avait annoncée. Et vous voyez, c'est parce qu'il y a eu une vision au préalable. Et regardez toutes les souffrances. Paul dit qu'ils étaient, des, il leur dit qu'ils étaient, étaient comme des, des, des nourrices. Ils, avaient des, ils étaient même prêts à, à, à sacrifier leur vie. Et ces églises étaient vraiment fortifiées, encouragées. Et quand on regarde Paul à Philippe, justement, et l'épître de Paul aux Philippiens, c'est une épître tellement riche en enseignement, en doctrine. Et il y a eu au préalable une vision, il y a eu une mission. Et si aujourd'hui il y a des endroits qui ne sont pas encore atteints avec l'évangile si aujourd'hui euh, dans nos assemblées nous ne vivons pas le réveil nous ne vivons pas les choses du Seigneur c'est euh, aussi bien une croissance spirituelle des gens qui grandissent spirituellement et une croissance matérielle et financière et numérique aussi parce que l'église aussi Croissait de 3000 personnes d'abord 120 personnes 3000 personnes plus de 5000 personnes et ensuite ça s'est étendu partout et euh, des apôtres sont sortis des prophètes sont sortis comme Jude, comme Silas c'est parce qu'il y a eu justement une vision de la mission. Sans la mission, il y a pas de sans la vision de la missionnaire, il n'y a pas de réveil. Vous voyez, il y a une église, des chrétiens d'une assemblée locale à qui on n'a pas enseigné sur la mission, qui ne comprennent pas la mission, qui ne savent pas ce que c'est la mission, ils ne pourront pas vivre le réveil. C'est aussi, aussi, aussi simple que cela. Je vous assure, frères et sœurs, vous qui nous suivez, beaucoup ont participé à cette vision de la mission. Beaucoup participent dans la prière d'abord parce que je vois, nous avons, nous avons des mails des frères et sœurs qui disent comment Dieu leur a mis à cœur de constituer des, des, des groupes ici et là pour prier, pour intercéder. Nous avons, nous avons des retours de ce que Dieu vous a communiqué. Et, euh, en revenant de, 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 de la mission à l'aéroport, un frère est venu, nous, 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 est venu aussi nous chercher. Il me disait particulièrement, ce frère disait... Alors que personne ne lui avait parlé de la mission sur place là-bas, il disait qu'il a eu une vision. Il nous voyait euh, tous les missionnaires qui sont partis dans un bateau. Il y avait et, euh, des personnes, ses frères disaient qu'ils ne devaient pas être là. Et, euh, et le bateau était comme euh, chaviré, a failli chavirer, et euh, tout ça. Qui, qui, et euh, et euh, tout ça. Donc, c est, c est, il disait, il faut beaucoup prier. Il faut. Et je disais, Seigneur, waouh. Donc, vous voyez, c'est des gens comme ça que le Seigneur a ici et là pour prier, pour intercéder. Pour, pour la mission et, et, et c'est vraiment c'est beau donc la vision de la mission est capitale pour la réussite de l'œuvre du Seigneur sans la mission on ne peut pas avancer et je dis bien la mission c'est quoi ce n'est pas, euh, pas, pas rester entre nous ce n'est pas ça la mission ce n'est pas rester entre nous matin, midi, soir ce n'est pas ça la mission le missionnaire il s'identifie aux autres tout le temps. Le missionnaire, est, euh, 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 bon, je me rappelle la mission, je disais même aux frères euh, qui sont à Pas-de-Paris, allez vers les autres. Laissez-moi avec des frères et sœurs. Laissez-moi avec des gens que je ne connais pas. Tout ça. Parfois, même pendant que je prêchais, je pouvais souffrir l'oreille de quelqu'un. Retire-toi. Voyez c est, c est, c est, c est Le missionnaire est là. c'est Donc, tu t'identifies, tu t'oublies tu, 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 complètement et tu vois, tu vois comment le Seigneur opère par la suite, comment le Seigneur agré les choses, euh, euh, nos prières. Et, euh, et euh, frères et sœurs, nous, avons, nous allons d'ici au retour euh, du, du, du Seigneur, on va beaucoup, beaucoup travailler euh, dans une vision missionnaire. Énormément. Regardez depuis quelques temps les extraits, nous, les extraits que nous vous envoyons. Euh, pour vous montrer, pour vous faire participer à ce qui se passe. C'est pas parce qu'on veut vous comment dire vous attacher à nous, c'est parce qu'on veut vous donner le goût de la mission. Vous vous faire voir les choses qui se passent sur place, ce que nous vivons sur place, les combats, les épreuves, les difficultés que vous voyez à quel point aussi nos vies sont exposées, à quel point nous pouvons être aussi attaqués. Et euh, et euh, et euh, donc euh, je disais que la vision de l'Église, c'est une vision missionnaire. Et euh, une Église locale qui n'a plus cette vision ou qui n'a pas cette vision, elle va se manger, elle va, se, elle va mourir. Et Dieu, quand c'est comme ça, peut même fermer cette assemblée locale. Parce qu'il n'y a plus la vision missionnaire. Et euh, des chrétiens qui restent dans une Église locale pendant plus de trois ans sans mission, ils finissent par mourir, ils finissent par se critiquer. Et le Seigneur, quand c'est comme ça, il retire son peuple de l'Assemblée. Il retire, il retire, il retire, et petit à petit, on voit euh, le dépérissement de l'œuvre. On voit, et c'est ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer aussi chez nous à l'époque. Je me rappelle quand j'étais dans la fonction pastorale, et on avait les frères et ceux qui étaient là, on se faisait du bien entre nous, on n'avait plus la vision missionnaire, et le Seigneur a envoyé la persécution. Le maire de la ville où on était nous a traînés devant les tribunaux. On ne comprenait pas. Pour nous, c'était le diable. On n'avait pas compris que Dieu au-dessus de toutes choses et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et par la suite, le Seigneur m'a personnellement dit qu'il faut la mission. Qu'il faut la mission. Vous commencez une église locale, l'église s'agrandit. Euh, cette église-là, si vous restez, je dis bien, plus de trois ans, quatre ans sur place, vous allez finir par vous faire la guéguerre par faire la guerre aux autres. C'est humain. Et la vision de la mission, on, on la perd. On scinde l'Église locale, on crée d'autres groupes ici et là. Vous voyez là, la vision missionnaire, c'est la multiplication. En fait, merci au Saint-Esprit, parce qu'il m'a rappelé un enseignement qu'il m'a donné quand j'étais au Gabon, et euh, sur les quatre dimensions de la mission. Vous voyez, les quatre dimensions de la mission. Et la première dimension, je vais rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais rapidement vous en parlez parce qu'il m'a soufflé cela dans Genèse chapitre premier. Chapitre, 1er. chapitre 1er. Nous lisons euh, le verset 28. Le verset 28. Dieu les bénit et leur dit soyez féconds. Ça, c'est la première dimension euh, de la mission. C'est quoi C'est la fécondité. C'est la fécondité, c'est la capacité, n'est-ce pas, que Dieu nous donne pour pouvoir engendrer, pour pouvoir enfanter. Et la fécondité, c'est aussi la vie. Quelqu'un de fécond, c'est quelqu'un qui a la vie. Quelqu'un qui est susceptible, n'est-ce pas, capable de produire, d'engendrer, de donner une naissance. Ça, c'est la première dimension. Parce qu'on ne peut pas être missionnaire si on n'a pas la vie missionnaire à nous. Si on n'a pas la semence, donc la fécondité, n'est-ce pas et, euh, c'est cette vie que Dieu met à nous et cette capacité de pouvoir produire. Parce que pourquoi aller en mission si on ne peut pas produire Pourquoi aller en mission si on ne peut pas gagner les âmes Pourquoi aller en mission si on ne peut pas, justement, sauver les sorciers C'est qu'on est, on a, on a, est, qu est sec. Donc, cette capacité que, que Dieu nous donne, on arrive quelque part, euh, on, on, on est fait Voilà, on est fait Et rappelez-vous bien que la stérilité dans les Écritures est un signe euh, de malédiction. D'accord Donc, c'est ce que les Écritures nous disent, bien sûr. Donc, ne vous sentez pas condamné, vous, les frères et sœurs, qui, euh, à qui on a déclaré euh, stérile. Ça, ce n'est pas parce que vous, vous avez péché forcément, mais c'est parce que de manière globale, hein, tout ce qui nous empêche de produire, ben, toutes ces choses-là sont liées au péché. Pas forcément nos péchés à nous directement, mais aussi le, le, les conséquences, conséquences du péché d'Adam et Ève. D'accord Donc, euh, euh, voilà. ce n'est pas parce que vous-même, vous avez péché volontairement, donc vous ne vous sentez pas condamné. Mais euh, à la base, Dieu ne voulait pas que les hommes et les femmes soient stériles. Donc, euh, vous pouvez être stérile physiquement et être complètement fertile spirituellement. Donc, euh, ne soyez pas, euh, comment dire, condamné. Voilà. Donc, euh, donc première, première dimension, c'est la fécondité. Dieu te donne les capacités. Il t'équipe. Il voilà. Il t'équipe. La deuxième dimension, est, euh, Dieu dit multiplier. Voilà. Parce que tu es fécond et c'est la multiplication. C'est la multiplication. Et euh, mais ce n'est pas une multi multiplication euh, 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 du genre 1 plus 1 égale 2, tout ça, ce n'est pas ça. C'est la multiplication, ou je dirais de la duplication. D'accord Ce sont des engendrements. Voilà, exactement. Et regardez, dans, regardez les deux généalogies de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 3. On nous dit, Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les douze princes. Et les douze princes, vous voyez, c'est ça en fait, c'est la multiplication. C'est-à-dire ce sont les engendrements. Voilà. Donc, euh, et non les additions. Ce sont les, les engendrements, donc des duplications. Et quand on regarde Abraham, Dieu dit dans Genèse 15, tu vas donner naissance à un enfant qui sortira de tes entrailles. C'est ça en fait. Des, des, c est, c est, on engendre parce que ça vient des entrailles. Les entrailles sont les parties les plus profondes de l'homme. Donc le missionnaire a les entrailles les, les, de, de compassion pour pouvoir engendrer des gens qui étaient méchants, des gens qui étaient sorciers, eh bien, qui sont transformés en des personnes. Qui, euh, qui re reflète, hein, donc comme il est dit par rapport à Adam, il a engendré un fils à son image. Vous voyez, c'est ça, la multiplication. À la base, il devait être à l'image de Dieu. Donc, euh, c'est-à-dire le missionnaire, il arrive, il est fécond et il a ses capacités de pouvoir engendrer. Et deuxièmement, dans de la deuxième dimension, il engendre. Il engendre, d'où la notion de père dans la foi. Et Paul disait, n'est-ce pas, à Philémon Onésime, l'enfant que j'ai engendré dans les liens. Vous voyez, hein? donc euh, on garde Genèse 1, je vais rapidement euh, voir du côté de Philémon. Et... Euh, voilà. Et... Euh, Philémon 1, 10. Je te prie donc pour mon fils Onésime, que j'ai engendré dans mes liens. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire, ce ne sont pas les liens qui peuvent nous empêcher. Les liens, bien sûr, des hommes, hein, mm. qui peuvent nous empêcher d'engendrer. C'est terrible. Donc, on peut. ce ne sont pas les attaques, ce ne sont pas les critiques mm. qui peuvent nous empêcher d'engendrer. Mm. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Paul, on l'a mis en prison. Mm. L'ennemi pensait pouvoir l'arrêter. Mm. Mais en fait, au contraire, étant dans les chaînes, il a continué les engendrements. Amen, amen. Vous voyez Et ça, c'est ça qui est magnifique avec notre Dieu. C'est ça qui est magnifique. Donc, quelqu'un qui est... Qui est qui peut engendrer, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition dans laquelle vous pouvez la mettre, ouais. cette personne-là, elle va continuer à engendrer. Ouais. C'est ça le principe de la multiplication. Vous voyez, ce n'est pas, donc, sachez bien que ce n'est pas la duplication, mm. c'est la multiplication. Regardez le Seigneur Yeshua quand il est venu. Avec la grande autorité qu'il avait, le grand, le, le, il a reçu l'Esprit sans mesure. Pourtant, à la fin de sa mission terrestre, il n'avait engendré que 120 personnes. On pouvait croire qu'il avait échoué, sur le plan humain, bien sûr. Parce qu'on pouvait, on pouvait se dire, mais lui qui a réveillé les morts qui étaient enterrés depuis quatre jours, notamment Lazare, comment n'a-t-il pas pu, n'est-ce pas, laisser des foules et des foules de gens gagner tous les pays Non, c'était les engendrements, ce sont des engendrements de qualité. Amen. Amen, amen, amen. Ces qualités-là sont les qualités, bien sûr, euh, divines, hein, donc la justice, la, la, la sainteté, la crainte de Dieu, euh, tout ça. Et, et, et ça, c'est la deuxième dimension, engendrer. Paul dit dans Galate 5, Galate 4, 19, « mes enfants pour lesquels j'éprouve de, de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Waouh, vous vous rendez compte Dans la deuxième dimension de la mission, c'est-à-dire, on n'est pas satisfait tant que les gens ne, soient, ne sont pas engendrés et formés. Non. C'est pour cela, il partait, il revenait au même endroit. Il ne disait jamais, je ne veux plus revenir là-bas. Jamais, ça ne pas sa mission. Ça c'est de l'orgueil, c'est de la chair, c'est de un manque de compassion, d'amour. Si vous êtes comme ça, vous qui nous suivez, par rapport à la mission, c'est que vous n'avez rien compris. Si Dieu permet ce message, je n'avais même pas prévu de parler de ce message ce soir, si Dieu permet ce message pour vous qui nous suivez, pour nous qui sommes ici, c'est parce qu'il veut nous montrer à quel point nous devons saisir la mission, jusqu'à ce que, il est dit dans Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. C'est-à-dire, jusqu'à ce que là, et du début à la fin, il y a beaucoup de brisements de la part du missionnaire. On peut l'insulter, on peut le manquer du respect par les gens qu'il forme, on peut le traiter de tout le nom, mais il doit continuer à les former jusqu'à leur, n'est-ce pas, matur maturation. Waouh! La mission. Combien, le nous a, combien de fois le Seigneur ne nous a pas supportés Moi, le premier. Honnêtement, si le Seigneur pouvait dire c'est fini, je, je m'arrête là, je crois que personne ne serait sauvé. Non. Mais il continue à nous tailler. Il continue jusqu'à notre perfection. Paul, le grand apôtre, disait, je n'ai pas encore atteint la perfection. Dieu continue à travailler jusqu'à ce qu'il soit bien engendré. Et dans la deuxième dimension de la mission, il y a la notion de l'engendrement. Et les femmes qui ont déjà conçu hein, ont cette particularité que nous, les hommes, nous n'avons pas. C'est-à-dire, cette souffrance liée à l'accouchement, hein, être enceinte, porter l'enfant et donner naissance. Vous voyez, regardez une femme enceinte pour comprendre un peu le, la vision de la, de, de, des engendrements, de la deuxième, la deuxième dimension de la, de la vision missionnaire. Une femme enceinte. Quelles que soient les difficultés liées à l'accouchement, à la grossesse, je dirais aussi, elle ne va pas pour autant, une bonne mère bien sûr, renoncer à l'idée d'accoucher. Vous vous rendez compte Elle ne va jamais se dire Oh, il me fatigue, je suis fatigué, j'en ai marre, j'en peux plus. Oh non, mais euh, ils sont méchants ces gens, et euh, je n'en peux plus, laisser tomber. Mais c'est ça, 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 mes amis, là. C'est jusqu'à la fin. Et très souvent en mission, Dieu nous révèle notre propre cœur, parce qu'il met devant nous des gens tellement parfois mauvais, tellement méchants, qu'il nous, qu nous regarde comment nous réagissons. Qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous disons, si nous avons ce cœur là. Et, euh, et là, ben, il faut, il faut avoir justement les douleurs de l'enfantement pour supporter la grossesse jusqu'au bout. Sinon tu peux te dire, je vais me faire avorter parce que j'ai un peu plus. Il y a des femmes qui le font. Mmh. Ah, j'ai beaucoup de souffrance, alors je vais avorter et puis simplement adopter. Vous voyez, c'est pour cela qu'il a dit à Adam et Ève, soyez féconds. Multipliez, engendrez, c'est ça, engendrer. 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 C'est la deuxième dimension. Et, euh, et euh, regardez Abraham pour engendrer Isaac. Il a dû attendre... Près de plus de 25 ans. Il sort de la Mésopotamie à l'âge de 75 ans. Il a attendu 25 ans. Et la parole nous dit que son corps était déjà usé. Littéralement, il était devenu impuissant sexuellement. Sa femme était, euh, littéralement, la Bible dit qu'elle n'avait plus de désir sexuel. C'est-à-dire, elle était ménopausée, elle était fatiguée. Et, et Dieu dit eh bien, vous allez donner un enfant, vous allez multiplier, vous allez hein, euh, engendrer. Mes amis. <laughs> Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et la troisième dimension de la mission, c'est, euh, mes amis, la parole nous dit au verset 28, toujours de Genèse 1. Et euh, remplissez la terre. Le Seigneur a dit allez dans tout, toutes les nations, hein, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Remplissez. Waouh, Vous vous rendez compte, frère Donc ça veut dire que. Nous n'allons pas nous engendrer une seule, une seule personne et nous arrêter là comme si c'était déjà fini, c'est mmh. fait. <laughs> non, c'est pas ça la mission. Mmh. C'est-à-dire, tant que la Terre n'est pas remplie, on n'est pas on ne peut pas se fatiguer. Mmh. On ne peut pas se fatiguer. Donc, tout le temps, on est en train de remplir, de remplir quelque chose qui paraît ne pas se remplir. Parce que tout le temps, il y a des naissances. Donc, il faut remplir à chaque fois. C'est comme si quand un enfant vient au monde, il faut déjà le mettre sur la liste des gens qu'il faut engendrer. Donc, en permanence, il faut continuer. C'est-à-dire, nous sommes en tant que chrétiens, en tant qu'église de Yeshua. Rappelez-vous bien que l'église a été euh, l'image que le Seigneur utilise pour parler de l'Ecclésia. Une des images capitales utilisées pour parler de l'Ecclésia, c'est la femme. L'image de la femme. Donc, <laughs> c'est pour cela qu'elle est amenée à, à, à enfanter. À chaque fois. À chaque fois. Notre intimité avec le Seigneur, euh, c'est le paroxysme de la, de la relation avec le Seigneur, c'est l'intimité. Et pendant l'intimité, dans la prière, l'adoration, eh Dieu nous, nous ensemence de sa vision. Donc de nouveau, on doit aller engendrer. Et partout, 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 il dit, remplissez la terre. Il n'a pas dit, remplissez seulement votre ville. Et restez entre vous, faites-vous faites -vous du bien. Il a dit la terre qu'il faut remplir. Donc on va croiser les gens de toutes sortes. Je suis allé à des endroits en mission où, humainement parlant, les gens de cette nation ou de ce pays euh, étaient très embêtants euh, par rapport à certains comportements. Et Dieu disait c'est là que tu vas travailler encore un mois, deux mois, et tu vas revenir tous les ans. <laughs> eh bien, <sur> l'obéissance. <laughs> tu aimeras le Saint-Esprit de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ouh là là, Seigneur, mes amis, là, c'est compliqué tout ça. Là. <laughs> jusqu'à ce qu'il y ait transformation et là tu peux dire waouh ce frère là Dieu m'a utilisé pour le former mais là regarde comment il agit comment il vit et il craint Dieu ah oh, seigneur et quand tu penses te reposer Dieu dit non c'est pas fini mon coco Ah non c'est pas fini d'autres champs missionnaires waouh seigneur tout ça vous savez on n'est pas encore parti chez les pygmées on n'a pas encore été mordu par les serpents donc moi je pense que nous sommes encore dans les débuts de la mission véritable Amen. Vous voyez, mes amis, on a encore dormi sur des matelas. Mm -hmm. <laughs> donc, c'est moi le premier, hein, attention. Hein. Et euh, donc, ensuite, donc, il faut remplir la terre. Donc, ça veut dire que la vision, c'est une vision globale. C'est la terre que Dieu veut toucher. Hein. Donc, euh, du coup, la terre ici, il n'y a pas de délimitation délim géographique. C'est vraiment la terre. Remplissez la terre. Et euh, ensuite, la quatrième dimension, hein, donc, euh, et la parole nous dit, il faut hein, assujettir, bien sûr, la terre. Regardez bien ici. Première dimension de la mission, c'est la fécondité. Avoir les capacités que Dieu nous donne de pouvoir engendrer. La deuxième dimension, c'est l'engendrement. Troisième dimension de la mission, c'est la terre. Donc là, on, parcours, on parcourt. Hein, donc c'est vraiment le fait de parcourir, d'enlever les murs. Vous voyez Casser les murs. Linguistique, culturelle, tout ça, euh, euh, le, le, toutes les différences culturelles, tout ça, ben, tout ça là, les cultures, les hommes, tout ça, ça va tomber, tout. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a brisé le mur de l'inimitié qui nous séparait d'avec les juifs. C'est ça. Tant qu'il y aura des murs, il n'y aura pas la mission. Si je te vois comme tu es, comme un Antillais, comme une antillaise, comme un, une, une africaine, comme un africain, eh ben, c'est qu'on n'a pas compris la mission. Voilà. C'est qu'on est encore, on est raciste, on est tribaliste, et euh, c'est qu'on n'a rien compris de la vie chrétienne, et euh, il faut s'asseoir et être enseigné par l'Esprit. Donc, plus de barrières, tout ça, ça saute, ça tombe. Fini. Parce que les Antilles, ça appartient à mon père, euh, l'Afrique appartient à mon père, donc ça veut dire que Dieu, mon père, a dit toute la terre. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit tomber Amen. dans ma tête. En tant que missionnaire, je pars euh, 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 en Tunisie. Les Tunisiens, ça fait partie, n'est-ce pas, de, de la Tunisie, c'est la terre de mon père. Mmh. Donc j'arrive, on arrive, on dit Seigneur, ici, euh, euh, j'ai affaire aux gens que Dieu veut, que mon papa veut sauver. Vous voyez, c'est ça la mission, mes amis, pour nous tous. Parce que je vous dis qu'il y aura plusieurs missions, beaucoup, beaucoup de missions, beaucoup d'annonces par rapport à la mission. D'autres encore veulent venir à la, à la mission. Donc tant que ces murs seront dans nos têtes, on ne sera jamais des missionnaires, on sera des touristes. Et, et Dieu pleure, Dieu pleure, Dieu pleure, Dieu souffre. Et je suis rentré de cette mission en pleurant. Tu veux parler, Dieu te dit ne parle pas encore. Tu pleures, tu dis Seigneur, il dit voilà la mission, il faut être. Formé par le Seigneur pour la mission Être brisé par le Seigneur pour la mission Avoir la compassion du Seigneur L'amour du Seigneur Comprendre parce que là, la mission on réalise à quel point Les gens vont en enfer Et on pleure pour cela Comment c'est possible Des gens créent l'image de Dieu qui vont en enfer Qui vont passer l'éternité dans un lac de feu Seigneur Et on souffre Et on souffre Je vous disais en Côte d'Ivoire je me disais, Seigneur, je, je, je risque de repousser mon retour, mais il y avait la mission ce vendredi, la mission en Suède. Parce que tu vois la souffrance. Tu vois des sorciers qui viennent et qui déposent la sorcellerie. Qui disent, on n'en veut plus. On attendait de voir cette puissance pour pouvoir être convaincu qu'on peut être protégé par quelqu'un de plus grand que Satan. Ils ont dit, Seigneur, je vois, j'ai vu ce jeune homosexuel qui. A dit qu'il ne voulait plus être la femme des hommes. Et il y a des milliers comme ça en Afrique. Tu dis Seigneur, oh Dieu. Et à la fin, le dimanche, il est venu me voir il me dit Je vais être formé. Ne me, laisse, ne me laissez pas. Encadrez-moi. Il pose des questions. Est-ce que c'est un péché de vouloir bien s'habiller Comment tu, tu vois la soif de la personne du Seigneur, donne-moi encore à rester ici pour travailler. Parce qu'il faut engendrer. Et cette compassion-là que Dieu nous donne libère l'onction du Saint-Esprit. Libère justement, euh, amène le réveil. Vous savez, le Seigneur nourrissait les gens parce qu'il avait la compassion. Le Seigneur guérissait les gens parce qu'il avait la compassion. Il s'identifiait à eux. Et il pleurait. Il a pleuré pour Lazare. Il a pleuré pour la souffrance, pour l'incrédulité des gens quand ils se retrouvaient devant la tombe de Lazare. Mes amis, personnellement, je n'aime pas l'avion. J'aime bien voir les avions sur, au sol, mais je n'aime pas monter à bord des, des, des avions. Parce que je, je n'aime pas les turbulences. Je suis mal à l'aise. Je vous assure, mes amis, on part en mission parce que Dieu pleure. Tu vois sa souffrance face aux gens qui vont en enfer? Face aux gens qui, qui souffrent, qui sont constamment violés par des faux pasteurs, qui sont dépouillés par des faux pasteurs, qui ne savent pas vers qui se tourner. J'ai vu un couple qui vient me voir en Côte d'Ivoire. Lui il est Libanais, elle est française de souche, elle est blanche, elle est bretonne d'origine, avec sa fille de 9 ans, qu'elle a eue avec, avec un autre monsieur avant sa conversion. Ils sont venus et. Ils étaient là à la veillée le vendredi, touchés, et la soeur me disait, depuis deux ans et quelques mois, je suis TV de vie et je suis enseignant par TV de vie, je suis nouvellement converti. et euh et je vais dans les assemblées ici et là, je, me, je vois que ça ne va pas, il y a des problèmes. Et son mari qui me disait, Kemel, certainement qui nous suit ce soir, euh, d'origine musulmane bien sûr, qui disait Mais les pasteurs ici, c'est n'importe quoi, et moi je, je cherche Dieu, et, et, et il ne voyait pas Dieu dans les assemblées. Et, et donc il, il était là, il disait Mais. Et je lui dis. Eh bien, le Seigneur veut te sauver aujourd'hui. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? Il dit oui. Et, 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 on était à la maison, euh, où on était, à l'appart où on était. Je lui dis, est-ce que tu veux le baptême? Il me dit oui. Je lui dis, bon, ok, demain, je te baptise. Et, euh, demain, il, il est revenu avec sa femme, avec euh, leur fille de 9 ans. Et la fille a dit, moi aussi, je veux me faire baptiser. Et il s'est fait baptiser, ce frère, je l'ai baptisé. Et la fille s'est fait baptiser. Et là, ils m'ont envoyé un mail aujourd'hui. Ils sont tellement dans la joie, la sœur, est tellement. Et je me dis, Seigneur. Seigneur. Et euh, donc, les quatre dimensions, là, euh, euh, on est d'abord euh, fertile, euh, fécond, et euh, on, est, euh, on, on se met à, à multiplier, à se multiplier, à se dupliquer. Donc là, c'est la formation. Dans la mission, il y, y a la notion de la formation. D'accord Engendrer, c'est former. Former, pour la former Tim Timothée, pour la former Tite. A... Regardez comment il a formé les gens de la souffrance. Former, former, formé, former, 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 former. Et troisième dimension, et là c'est, on va maintenant conquérir parce qu'on on est fécond, on engendre. Et la troisième dimension, c'est la mission, on part. Mm -hmm. Vous voyez, on va sur. On, les, murs, les, les murs tombent, on va partout. Hein, donc il euh, euh, faut conquérir la terre. Et quatrièmement, eh ben, on va assujettir, c'est-à-dire on assoit les choses qui perdurent, on assoit les œuvres qui perdurent œuvres sociales pour aider les orphelins mmh. euh, les veuves et les nécessiteux et les prisonniers, tout ça et œuvres euh, euh, spirituelles, euh, des centres de formation comme euh, euh, l'école de, Tyra, de Tyrannus dans Acte 19 et 20, pendant 3 trois ans pour la former les gens sur place mes amis, vous vous rendez compte mmh. donc là c'est là, on bâtit des œuvres qui vont perdurer c'est pour ça que le Seigneur a dit il faut assujettir mmh. assujettir ici c'est dominer pas dans le sens d'écraser mais mmh. amener en fait le royaume de Dieu ah, ouais. Qui doit s'installer, qui doit demeurer jusqu'au retour du Seigneur. C'est une œuvre qui doit perdurer. Et nous, nous sommes les fruits des œuvres des apôtres. Parce que c'est ça le royaume. Le royaume arrive quelque part et il brise d'autres royaumes, le royaume de Dieu. Hein. Et puis le royaume du Seigneur s'installe et ce, ce royaume-là perdure. Les quatre dimensions de la mission. Vous voyez Et ça, c'est magnifique. Et. et j'ai partagé cela, Dieu m'a enseigné là-dessus, là au Gabon, ça nous a, moi le premier, éclairé, aidé, et on a compris à quel point on n'a pas compris la mission. À quel point on n'a même pas compris la vie chrétienne. À quel point on, a, on est passé à côté de l'essentiel. Et c'est la compassion qui nous pousse à bouger. C'est la compassion qui nous pousse à aller vers les perdus. Ce n'est pas l'argent. C'est la compassion des âmes, l'amour pour les âmes, parce qu'on est tellement, on est fait qu'on par la grâce du Seigneur, et puis il y a cette souffrance-là qui est là, c'est que quand, tu, quand bien même tu ne veux pas donner, tu sens qu'il faut à, à tout prix donner. Comme Jérémie disait, quand je veux me taire, quand je dis je ne ferai plus mention de lui, mais il y a dans mon cœur un feu qui est là, et je, je n'ai pas le choix. Parce qu'on aime Dieu, Dieu pleure, Dieu souffre. Imaginez, à chaque fois Dieu pleure, Dieu verse les larmes pour les perdus. Il verse les larmes. Et euh, c'est beau de voir, mes amis, les œuvres que le Seigneur opère. Je me rappelle quand on est parti en mission pour la première fois au Gabon, il y avait, les églises étaient de, malades, il y avait des problèmes dans les assemblées. Et Dieu dit, allez au Gabon. On est parti avec des frères et sœurs de France, des euh, Européens, tout ça de souche. On est parti avec une bonne équipe, une dizaine. On a loué une maison et on a commencé des réunions dans une petite salle. On était dans la première réunion à, à, et on, avait, on était à peu près 50 personnes. Et peu à petit, peu à petit, les gens commençaient à être touchés, des livres guéris. Et on a eu des, des attaques, on a eu des problèmes, emprisonnés. Et Dieu dit repartez. On a eu des attaques de sorciers la nuit, terribles. Dieu dit repartez. Mais Seigneur, une autre vie, il dit repartez. Et aujourd'hui. Tout le Gabon est presque touché. Amen. Sur les neuf provinces, sept sont touchés. Des jeunes prennent des pirogues, des missionnaires prennent des pirogues. Et ils prennent des risques. Paul disait, il était en péril partout, dans les mers, sur les fleuves, et auprès des brigands, tout ça, auprès de sa, des gens de sa race, partout, pour la mission. Et regardez les fruits que nous sommes. Nous pouvons avoir, nous pouvons lire la parole de Dieu simplement. Mais regardez comment ils ont souffert ces gens. Et c'est ça la mission. Donc, vous priez pour les missionnaires, vous êtes vous-même missionnaire, vous participez matériellement, financièrement pour les missionnaires, vous êtes vous-même missionnaire. Et le dernier jour, Dieu me disait devant les frères et sœurs Je vous ai béni matériellement en Europe, vous allez les assister matériellement et financièrement. Vous allez les assister. On a un piano, un synthé ici, qui, euh, euh, là-bas, ça m'a promis, ma, ma commande. M'a demandé, m'a poussé, poussé par l'esprit à leur dire qu'on va leur envoyer le matériel, le matériel qu'il faut pour évangéliser, pour amener le feu du réveil partout. Et euh, euh, notamment à, à m'envoyer tout ce qui est sono, synthé, synthétiseur. Et quand je suis rentré hier soir, je regardais sur Internet, euh, ou hier soir ou ce matin, sur Internet, un synthétiseur à, à un bon prix pour pouvoir leur envoyer là-bas. Et. Euh, et puis euh, le Seigneur me dit par la suite, j'étais en train de chercher, 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 je ne trouvais pas. Je me disais, bon, je vais tout chercher plus tard. Et le Seigneur me dit, mais vous avez un synthétiseur Yamaha et, euh, qui est presque professionnel, hein, et, euh, au, euh, au 24 là-bas. Donc c'est lui que nous venons de sortir, juste avant la, la, le début de la mission. Et Dieu dit, ben qu'est-ce qu'il qu qu fait là-bas Il ne fait rien. On a de matériel son ici. On a des choses qui chôment. Et euh, je dis, waouh, Seigneur, merci. Et l'amour pour les âmes, frères et sœurs, nous anime. Le salut des âmes. Toucher les gens. 600, plus de 600 Bibles BGC ont été distribuées. Et il fallait voir la joie des frères et sœurs. Et c'est grâce au Seigneur a touché vos cœurs que vous avez vous avez soutenu financièrement cette vision vous avez participé massivement regardez les fruits les fruits que le père récolte nous sommes des serviteurs inutiles regardez les œuvres regardez le travail et euh, et euh, donc on avait dit qu'il faut que la francophonie soit visitée des frères sont venus me voir en Côte d'Ivoire pour me dire qu'ils euh, vont, ils vont commencer à imprimer la BGC là-bas, faire imprimer sur place en Côte d'Ivoire pour distribuer parce qu'il y, y a pas mal d'imprimeries là-bas. Et euh, c'est vrai la Côte d'Ivoire est très avancée dans ce domaine. Et euh, je lui dis Alléluia, gloire à Dieu. Une sœur qui travaille dans une banque là-bas est venue me voir très impliquée, très humble. Elle dit Il y a quelqu'un qui veut participer financièrement pour faire imprimer des. Je lui dis, Seigneur, waouh Vous savez Et euh, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Et j'ai réalisé à quel point, après ce décès, à quel point nous sommes fragiles. À quel point nous pouvons mourir d'une seconde à l'autre. Et quand cela nous arrivera, qu'allons-nous dire à Dieu Quand le Seigneur va nous poser la question, qu'avez-vous fait sur Terre Qu'allons-nous lui répondre Seigneur, j'ai passé mon temps dans les murmures, dans les critiques dans le mensonge dans l'hypocrisie. J'ai passé mon temps en critiquant les frères et sœurs qui sont là-bas, machin tout ça, au lieu de me dire mais qu'est-ce que tu attends de moi Quand on nous a appelé pour nous dire ton frère aîné a fait une crise alors qu'il était en bonne santé, il se réveillait le matin, il a prié, il a remercié le Seigneur et de la journée, il fait une crise. Comment Comment pas Il est parti. C'était un choc. Et je me suis rendu encore compte à quel point nous sommes fragiles. Bien sûr, nous ne voulons pas être dans l'activisme, faire les choses pour faire. Mais nous, je réalise à quel point que le peu de temps qui nous reste à vivre, nous devons l'utiliser correctement pour achever l'œuvre pour laquelle Dieu nous a créés, l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur terre. Et avant de finir, pour finir, et vous laisser la, le temps de poser des questions, d'appeler, il y a un passage qui me marque toujours dans Apocalypse. Seigneur, merci pour ta parole. Et euh, nous sommes dans Apocalypse. Alléluia, gloire à Dieu. Chapitre. On va prendre le chapitre 13. Il y a deux passages qu'on va lire. C'est possible, Jean, que tu nous fasses la lecture du verset 11 au verset 14. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme un dragon et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont les blessures mortelles avaient été guéries. Elle opérait les grands prodiges, mais jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. On continue. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qu'elle lui était donné d'opérer. En présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu les coups mortels de l'épée et qui était bien vivante. Alors, on voit bien qu'ici, c'est toute la terre, bien sûr, qui adorent la bête. La séduction va prendre toute, euh, séduire tous les habitants de la terre. Et euh, ces gens qui suivent la bête, qui, bien sûr, sont aguerrés par la bête, il y en a, ils le sont parce que. Ils n'ont pas certainement rencontré hein, la vraie puissance comme ceux qui suivaient Simon le magicien. Si, si, si Philippe n'était pas parti en Samarie, si Philippe n'était pas parti au milieu euh, d'un peuple qui était rejeté par les Juifs et, euh, pour y annoncer l'évangile, comment ces hommes et ces femmes se seraient, seraient-ils fait délivrer, sortis Comment seraient-ils sortis des de griffes hein, de, de Simon le, Simo le magicien Il faut des Philippe. Il faut des hommes et des femmes qui mes amis, soient, soient disponibles pour être envoyés par le Seigneur pour aller libérer justement les captifs qui sont séduits. On nous dit que la terre entière sera séduite. Les habitants seront séduits par, n'est-ce pas, la bête. Et on y est, mes amis. Et regardez le chapitre 6. Verset 9 à 11. Si tu peux le lire, Jean, c'est possible. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués par la parole de Dieu et pour les témoignages qu'ils avaient gardés. Et elles criaient à haute voix, disons, jusqu'à quand Seigneur, que ce qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang de ceux qui habitent sur la terre. Et on voit bien ici les martyrs, ces missionnaires envoyés auprès des hommes et des femmes de la terre, et ils ont été exécutés. Je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des sages, je vous enverrai des apôtres. Vous les persécuterez, vous les chasserez de vos synagogues. Voilà le sort des missionnaires, la persécution, le rejet. Mais ils n'avaient pas abandonné l'idée de mission, d'évangéliser de, de, les gens persécutés, mais non abandonnés. Et ils continuaient la mission. Ils étaient déterminés. Pourquoi Rappelez-vous bien le verbe chercher. Ils cherchaient jusqu'à trouver. Rien ne les arrêtait. Et ils sont sous l'autel. Vous vous rendez compte, mes amis C'est-à-dire la croix. Chaque jour, on porte la croix. On est critiqué. On est traité de tous les noms. On est accusé faussement. Mais on continue dans la mission. Et le dernier passage, 14-13, 12 14 et 13, Apocalypse 14-13, alors j'entendis une voix du ciel qui me disait, écrit, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Deux secondes. Il y a des morts qui sont bénis. C'est quand même impressionnant. Il y a des morts qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont maudits et, et, et d'autres sont bénis. C'est une grâce. Ici, on nous dit Bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça, c'est un passage aussi qui me réconforte beaucoup. Quand on meurt dans le Seigneur, quand on meurt en tant que missionnaire, je veux dire, euh, euh, parce qu'on a compris la mission, parce qu'on a compris que toute notre vie, en fait, doit être consacrée à la mission du royaume. Eh bien, la parole nous dit que si l'on meurt dans cet état-là, je ne dis pas forcément en, est sur place en mission, mais étant dans la vision de la mission, ayant saisi la pensée de la mission, eh bien, on est béni. Pourquoi Parce qu'on nous dit qu'il se repose, on va se reposer de nos travaux. Donc, vous voyez bien que toute notre vie est remplie de travaux. C'est ça, la mission. Et on nous dit car leurs œuvres les suivent. Quelles sont les œuvres qui vont nous suivre C'est une question à laquelle chacun peut répondre. Quelles sont les choses qui vont nous suivre Est-ce que ça va être les murmures parce qu'on a passé sa vie à ça Est-ce que ça va être les critiques parce qu'on a passé sa vie à cela Non. Est-ce qu'on a passé son temps C'est est, est ça. Est-ce que ça va être les âmes qu'on a Eu par, par lequel les âmes qui sont touchées parce que Dieu est passé par nous et qu'on se laissé travailler par le Seigneur, est-ce que ça va être le nombre de personnes de baptisées, le nombre de personnes de... Oui, le salut est gratuit par la foi. Mais les œuvres, les œuvres qui vont nous permettre d'être couronnées, Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quelle parole Qu'est-ce qu qui ne m'aurait pas parlé comme ça juste avant de mourir sur son lit de mort et des frères qui viennent pour te rendre te souhaiter euh, te donner le, le au revoir et à qui tu vas dire oh mes frères et sœurs j'ai combattu le bon combat je n'ai pas fait marche arrière je n'ai pas reculé je n'ai pas abandonné je ne me suis pas arrêté sur les failles des gens je ne me suis pas arrêté sur telle telle nation je disais toujours au seigneur fais de moi ce que tu veux envoie-moi où tu veux Donne-moi ce que tu veux comme grâce pour pouvoir te servir. Et j'ai gardé la foi malgré les problèmes, malgré les critiques. J'ai achevé la course. C'est une course. Pour certains, elle dure deux ans. Pour d'autres, elle dure juste une seconde après l'accouchement. Pour d'autres, elle s'achève étant dans le ventre. Pour d'autres, encore, c'est 80 ans, 70 ans, peu importe. Alors le nombre d'années qu'il nous reste à vivre chrétiens chrétiens chrétienne chrétiens enfants de Dieu mes amis chrétiens je voudrais vraiment nous encourager nous tous à ne plus nous focaliser sur les à nous arrêter sur les sur la distraction sur les dires les hauts, les, les, les on dit tout ça là à nous focaliser sur l'essentiel le Seigneur revient Maranatha alors vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez au 01 64 98 90 45 et euh, pour ceux qui nous suivent depuis la Suède, depuis la Scandinavie, nous serons en Suède, à Stockholm, ce week-end. Donc, ce vendredi soir, il y a une réunion, vendredi, samedi également. Et, euh, et, et dimanche, et, euh, on atterrit. Et ensuite, euh, on va se retrouver avec une équipe pour ceux et celles qui veulent venir à Nantes. Et on sera à Nantes. Et les informations sont sur le site de TV de vie. Il y a des frères et ceux qui vont intervenir ici et là pour s'encourager. Je sais qu'en Scandinavie, il y a des gens qui viendront de la Norvège, qui viendront de, euh, du Danemark et euh, qui viendront de la Hollande, il y en a qui viendront de l'Allemagne la, la, également, euh, pour qu'ensemble nous puissions adorer, louer glorifier notre Père, notre Maître. Et euh, voilà, donc, euh, et le 1er octobre, émission au Canada, et euh, Canada et États-Unis. Et euh, vous direz, mais à quel moment euh, vous reposez-vous Ne vous, vous inquiétez pas. Quand on est en repos, on se repose pour s'occuper de la famille. Et, euh, parce qu'on ne va pas également déballer nos, nos vies privées, donc euh, pour s'occuper de nos femmes, nos enfants. Et, et quand euh, la période de la mission euh, à l'étranger arrive, eh ben, on va à fond et, euh, pour pouvoir sauver le plus de vies possible. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a qui ont annoncé l'enlèvement de l'Église aujourd'hui à 18h, c'était hier. Ils ont, n'est-ce pas, euh, allongé l'échéance, n'est-ce pas, donc euh, aujourd'hui à 18h. Il n'y a pas eu l'enlèvement, nous sommes encore sur Terre. Et euh, malheureusement, beaucoup s'étaient fait embarquer dans cette histoire de l'enlèvement de l'Église. Voilà, nous ne voulons pas condamner ces personnes, nous voulons prier pour elles, que Dieu les garde, leur ouvre les yeux. Voilà, on n'est pas mieux, attention. Oui. Et euh, merci encore à vous tous qui euh, avez compris que les chroniqueurs euh, qui se sont, mes amis, euh, inventés des ministères sur Internet pour... Euh, Amuser la galerie ne doivent plus. Euh, comment vous amuser Vous avez compris que euh, c'est du temps perdu parce qu'il faut racheter le temps. Donc, euh, que le Seigneur, en tout cas, se souvienne de vous parce que vous avez compris que on n'a plus le temps à passer dans les histoires, dans les cancans, les machins. On n'a plus ce temps-là. Euh, j'ai l'impression que rester dans les assemblées locales aujourd'hui, c'est courir le risque de perdre son salut à, conduire, à, à cause de tous, toutes, ces, toutes ces histoires. Je ne parle pas de. Des, des, deux, des groupes, euh, deux ou trois frères qui se retrouvent pour prier. On m'a dit également qu'il pasteur mmh. qui, euh, en Allemagne, cherchait, euh, qui était venu, soi-disant, parce qu'il était touché par la parole et maintenant il retourne sa veste et parce qu'il euh, m'a envoyé un mail que je n'ai pas répondu, parce qu'il a pensé peut-être que j'étais là pour euh, devenir son pote, alors que qu'on <laughs> n'a pas le temps à cela, mes amis. C'est fini ce temps-là, mes amis. Chacun doit être dans sa grotte pour chercher à se sauver, hein, comme à l'époque de Lot, et que on ne. Euh, croit pas aux églises locales parce que pour lui c'est l'église locale c'est avoir un bâtiment rempli de monde croyant que quand on fait des programmes ici et là on doit amener les gens dans ces bâtiments c'est pas ça la, la vision alors que les églises c'est aussi les églises dans les maisons et nous ne disons pas que ce qui est dans les bâtiments, parce que les maisons, c'est des bâtiments aussi, hein. que ce qui est dans les bâtiments, euh, je veux dire, les grandes salles sont dans le péché. Nous disons simplement que les églises dans les maisons, c'est le modèle que Dieu donne par rapport à la persécution qui se pointe. Donc, euh, pour être dans des petits groupes, simplement. Et euh, tout est mélangé dans les, dans les cœurs des gens, mais nous avons décidé d'obéir au Seigneur, de faire sa volonté. Nous ne sommes pas là pour être des potes. Nous sommes, là, nous sommes là pour nous édifier, pour nous encourager. Donc... Euh, que le son soit béni. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne, équipe technique. Voilà, je crois que Benoît parle à quelqu'un là-bas. Quelqu'un quelqu en ligne parfait. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, euh, oui j'ai une question en fait. Euh, quand on reçoit la vision, en fait, il faut être mandaté avant d'agir ou bien on peut agir pour être euh, mandaté Ok, très bonne question. Alors un conseil, il y a, il y a deux types de missions, comme on l'a vu ce soir. Il y a la mission euh, générale, donc ça c'est tout le corps, hein, tout le corps de Christ qui a, qui a une mission en permanence. D'accord. À l'école, au travail, on est, on peut être amené par le, le Seigneur à parler de Lui, tout ça. Et euh, là, ça on le fait naturellement. D'accord. Ensuite la mission euh, ou les missions spécifiques. Euh, donc là c'est, il faut vraiment comme dans Actes 16 recevoir l'appel du Seigneur et l'ordre du Seigneur également. Et dans ce sens, ben, il te donne l'onction nécessaire, l'intelligence nécessaire, les capacités nécessaires, notamment aussi les finances. Parce que le missionnaire qui reçoit une vision pour aller euh, dans un pays étranger ou une ville étrangère n'a pas à aller supplier les gens ou euh, à chercher à avoir des partenaires financiers autour de, autour de lui. Parce qu'il risque de tomber à la compromission. Donc, euh, il doit s'attendre au Seigneur. Donc, il faut attendre l'ordre du Seigneur. Et quand l'ordre arrive, on le sent. Il ne faut pas forcément se dire, il faut une vision, un songe, une prophétie. Euh, il faut, on le sent parfois, c'est des visions comme dans, dans le cas de Paul dans Acte 16. Euh, mais euh, si s'il n'y si, a pas des visions ou des songes, au niveau de ses, son cœur, on sent une forte conviction qui est là. Amen, amen. Et puis Dieu dispose les choses. Amen. Voilà. D accord, d accord. Merci beaucoup. Bon courage, frère. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, mes frères et soeurs, donc, que pensez-vous un peu de cette mission et, euh... Bien sûr, les choses qui peuvent blesser, on verra ça euh, pour faire les debriefings après. Et, euh, voilà, donc la parole est à vous pendant que les frères se rappellent. Hein. Bonsoir, on m'entend Bonsoir, oui, Aïma. Bah, moi, je trouve que c'était... Bon, pour moi, c'est ma première mission. D'accord. Donc, euh, c'est intense, mais euh, on voit qu'il y a besoin de, vraiment des, des ouvriers. Comme le Seigneur dit, compris, pour, qu pour que des ouvriers, ben, des disciples, euh, comment tu as dit, en soient engendrés. Oh, ah c'est ça. Soient engendrés pour que, parce que la moisson est grande, elle est vraiment grande. Et les gens ont soif en fait, et euh, ça les a beaucoup encouragés qu'on soit là, notamment nous pour les femmes. Elles nous ont dit que voilà que la façon dont on se comportait ou la façon de, de s'habiller, les, leur avait parlé, les avait touchés aussi. Mm -hmm et qu'elle voyait des exemples aussi et euh, qu'elle voyait aussi cette unité et que ça leur avait beaucoup apporté en fait donc euh, et aussi il y a eu des témoignages en fait bon j'ai parlé avec quelques femmes et euh, qui se sentaient seules, en fait et cette mission aussi a permis de regrouper mmh. des frères et des frères et sœurs qui, qui aimaient vraiment le Seigneur en fait et qui puissent aujourd'hui eux ben se euh, concrétiser par euh, le rassemblement et, euh, et, et être enseignés ensemble aussi, parce mmh. qu'ils ont besoin d'être enseignés aussi. Mmh. Mmh. Et ensuite aussi, euh, bah pour, il y en a beaucoup qui étaient un peu cloîtrés, isolés, mmh. qui aujourd'hui vont se réunir pour, euh, bah pour avancer, pour faire avancer le royaume de Dieu, et euh, pour aller aussi dans les villages que certains ne connaissaient pas forcément, et, et prier ensemble, parce que la prière, il y en a beaucoup qui nous disaient qu'ils étaient isolés et qu'ils avaient besoin de prières avec des frères et sœurs aussi. Mmh. Et donc c'était important aussi pour faire avancer, euh, avancer le reste. Donc il y en a qui, qui ont plus de moyens financiers que d'autres. Il y en a qui ne savent pas lire et écrire, mais il y en a d'autres qui pourront aussi les aider. Donc aujourd'hui ça a permis ça et ça va faire boule de neige tout à petit. Le Seigneur permettra, je pense, euh, s'il si continue dans la, la vérité de la sainte doctrine en fait. Mmh. Donc c'est important aussi que voilà, bah, d'autres missionnaires bah, retournent aussi là-bas peut-être d'autres qui feront une première semaine, peut-être une première mission, peut-être d'autres qui ont déjà été à cette mission pour continuer aussi. Parce que c'est important de les porter dans la prière, mais aussi physiquement. Enfin, en étant sur place, c'est autre chose. On arrive, nous, à comprendre les difficultés. On arrive à prier autrement. Et euh, aussi, à arrive à comprendre aussi, euh, à percevoir peut-être l'amour de Dieu. Parce que se déplacer comme ça, euh, comme tu disais, ben voilà, il y en a qui laissent leur famille. Euh, c'est pas des vacances, en fait. C'est vraiment, il faut être là, il faut être disponible, il faut être à l'écoute. Voilà, il y a, y a le vol, il y a la fatigue. Euh, voilà, il y en a qui prennent sur leurs vacances. Euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une semaine de repos en fait. Et quand tu vois que ben la soif des personnes. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, il ben, y a des gens qui ne connaissent pas cette puissance de Dieu. Ils connaissent Jésus. Tu leur dis oui, euh, parce que plusieurs fois on a demandé est-ce que vous connaissez Jésus. Oui, mais pas le vrai Jésus en fait, mm -hmm. celui-là qui est livres, qui est au-dessus des sorciers, parce que vraiment. Il y a vraiment, c'est vrai, il y a beaucoup de sincérité quand tu vois ces enfants qui, qui sont là et qui sont touchés. Franchement, ça fait mal au cœur. Quoi, parce que on a tous les enfants, pratiquement. Pour ceux qui en ont. Ça, ça fait mal au cœur, franchement. Je pense qu'eux-mêmes se disent qu'ils ne pourront jamais en sortir, tu mmh. vois. Donc, s'il n'y a pas des missionnaires qui viennent, comment ils vont s'en sortir, en mmh. fait D'ailleurs, ils le disent. Ils ne pourront pas Dans les assemblées, on ne peut pas y aller parce qu'on ne voit pas la puissance du Seigneur. Euh, et ensuite, on nous demande de l'argent pour qu'on prie pour nous. Et comment on va faire mais tu sais, même en prison, quand on a été, ben, quand on a vu que qu'il ben, de, il demandait à des prisonniers la dîme, c'est terrible. quoi. C'est, Tu sais, quand, quand on a été et que Jérémy a prêché, et ben, vraiment, on a senti, en tout cas moi, dans, dans l'esprit, j'ai senti une délivrance des cœurs. Il y en avait d'autres qui étaient d'accord, il y en avait d'autres non, parce qu'il y avait les pasteurs de la prison aussi qui étaient là. Mais il y en a qui ont reçu comme une confirmation, en fait. Ils ont pu recevoir la parole en, en prison. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ça en prison, qu'on puisse adorer, louer le Seigneur. Et euh, le fait d'adorer et louer comme ça, et ben ça a brisé des chaînes dans les cœurs. Et je dis Amen, gloire à Dieu, parce que franchement, euh, la prison, c'était quelque chose aussi. Hein. Enfin, enfin, pour moi, c'était lourd, mais euh, voilà, on est quand même passé. Mais c'est, tu t as plusieurs types de prisons. Moi, j'ai vu des reportages en Colombie, tu as des prisons où les gens sont comme des, chi... comme des chiens, quoi. C'est grave de laisser des êtres humains comme ça, tu vois. C'est ok, il faut qu'ils sachent qu'il y a le pardon. de Il faut aller dans les prisons, dans, dans les pays. C'est pas, c'est pas de tout confort. Ça sent pas bon. C'est pas. C'est. Mais c'est des êtres humains en fait. C'est des créatures de Dieu et qui ont besoin de cette lumière. Parce que s'il y a pas cette lumière qui vient, ils pourront jamais être délivrés en fait. Ils resteront dans les ténèbres et c'est dur. C'est non. C'est nous qui avons cette grâce. C'est vrai. Il faut sortir de ces conforts. Il faut arrêter de de critiquer, de murmurer, on n'a pas le temps, on n'a pas. Cette fa... La fatigue-là, il faut la mettre à autre chose. C'est une bonne fatigue qu'il faut donner, c'est pas une mauvaise fatigue. Donc, il faut vraiment donner aux autres parce que. Ici, franchement, les... on est bénis. Hein. Il y a Didasco, il y a Internet. Il y en a, ils ne savent pas lire et écrire. Attendez, il y en a, ils savent pas lire et écrire. C'est-à-dire qu'ils ne ils peuvent pas lire la Bible. Moi, j'avais eu à cœur, je me suis dit, bah, peut-être on peut amener aussi des clés USB, mais s'ils n'ont pas de, de choses pour toi, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir. Euh, pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, bah comment, comment ils font S'il n'y a pas des gens dans les villages là, comme ça, il n'y a pas tout le monde qui sait lire et écrire. Comment tu fais pour leur apporter la parole C'est pour cela que les, les, les missionnaires catholiques, quand ils arrivaient dans un pays, ils mettaient en place des écoles aussi, euh, tout voilà, académiques, tout ça, des écoles euh, normales. Et, euh, et cette vision-là, justement, les églises, euh, notamment de réveil, hein, dites de réveil hein, évangélique, ne, euh, ne l'ont plus. Ne l'ont jamais eu. Et c'est ça qui est un grand problème aujourd'hui. Je crois que le grand défi, à part la révision de la Bible que Dieu nous a fait faire, je crois que le grand défi maintenant qui nous, euh, voilà, qui nous attend, c'est vraiment la mission. Et euh, avant que le Seigneur ne revienne, s'il si, si ne revient pas d'ici là, euh, construire aussi euh, des écoles. Amen. Hein, et, euh, et, et amener maintenant des enseignements de bibliques dans ces, ces écoles-là. Et vous voyez, le champ est tellement énorme. Énorme que nous, ici en Occident, on est dans la distraction avec Internet. Euh, Intel a dit ça. Vous avez vu cette image-là hein, Mais voilà, euh, euh, ça danse maintenant le Taïchi. Tout est mélangé dans la tête des gens. Hein, ben, ça passe des heures et des heures pour critiquer. Mais t'as vu là-bas Mais ce n'est pas normal le frère là-bas. Ce n'est pas normal la soeur là-bas, là, les amis. Alors, okay. ouais. Qu'il y, 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 y a vraiment des vrais besoins. Euh, je me rappelle encore, on est parti à, au marché de d'Adjamé. Mm -hmm. euh, on a rencontré plusieurs personnes. En fait, on était parti pour, pour, pour évangéliser. Du fait qu'il y avait la réunion, c est, c est, il y avait la, la veille ces jours-là. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur avec le, nos, nos sœurs d'aller évangéliser au marché d'Adjamé et on était, euh, oui. Voilà. Ah, oui. est oui oui c'est bon. voilà, ça donc donc jamais le d voilà apostrophe et nous sommes arrivés euh, à ces marchés et euh, en tout cas en ce qui me concerne il y avait une vraie prise de conscience une vraie prise de conscience par rapport aux besoins par rapport au cœur qui était disposé et finalement on parlait avec des personnes nous étions partis au début on parlait avec des personnes on parlait avec de, Enfin, de, de jeunes, de personnes, mais aussi bien qu'il y avait de dans ce groupe, dans ces, groupes, dans, ces euh, dans la masse, en fait, il y avait des de chrétiens qui connaissaient le, le Seigneur, on va dire entre guillemets, mm -hmm. qui nous disaient, on était catholiques. Il y avait pas mal de musulmans, je me rappelle mm -hmm. bien d'ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans, et beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas de, le, le Seigneur. Il y avait une vraie, une vraie prise de conscience, et euh, la plupart de ces personnes nous disaient, ben bah, voilà, on veut bien euh, venir écouter la parole, mais on est, on est des illettrés. Comme elle disait tout à l'heure, euh, Naïma, mm -hmm. il y a vraiment des, des vrais besoins. Et d'ailleurs, moi, la chose qui m'a plus touchée, euh, donc je, je ferme cette parenthèse, c'était à la, à la, au village des de Vitrées. À la fin, il y avait la femme du, du pasteur, une soeur qui parlait, qui disait bah, écoutez, ils étaient tellement dans l'étonnement où ils se disaient bah, écoutez, pour, avoir, pour, 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 pour voir ces, ces, ces miracles, il fallait gêner au moins pendant un an. Il fallait gêner pendant un an. Ben, c'était euh, vraiment... Euh, en fait, pour moi, c'était vraiment les actes des apôtres qu'on vivait. On vivait les actes des apôtres en live. Il disaient, mais écoutez, il faut, il faut gêner, mais, et pourtant, euh, Dieu est là. C'est comme si Dieu était là, mais on ne le voyait pas. Comment, comment on peut avoir de, de tels miracles, de telles conversions Comment Dieu, peut, Dieu est à côté de nous, mais on ne le voyait pas Mes bien-aimés dans le Seigneur, euh, qui nous suivent de par le monde entier, réveillons-nous. Il y a des vrais besoins. Réveillons-nous vraiment. Quelqu'un d'autre? Que l'éternel soit béni pour euh, son œuvre. Et, euh, ce qui m'a fort touché en fait, par rapport euh, à déjà le partage, en fait, c'est cette vision, en fait, les aspects de la vision. D'accord. Parce qu'en en fait, je vois encore euh, Jonas, je sais qu'un missionnaire ne peut pas choisir, en fait, le lieu mm -hmm. où il doit aller évangéliser. En fait, Jonas, le Seigneur lui dit Lève-toi et va à Nive. En fait, le Seigneur donne l'ordre. Or, aujourd'hui, beaucoup. Des pasteurs, ils choisissent en fait le lieu de la mission. Ils se disent, bah, bah, moi je vais aller dans telle ville parce que dans telle ville, j'ai plus les offrandes que dans celle-là. Or, le Seigneur, il est celui au en fait qui veut toucher les nations. Or, les nations, c'est dans tout lieu. Mm -hmm. Même au fond, fond de villes, au Cameroun, euh, euh, en Algérie, euh, au Maroc, en fait, on n'a pas de choix à faire de mm -hmm. villes. Il dit, quand le Seigneur dit, va dans telle ville, on peut pas le dire, Seigneur, écoutez, euh, là-bas, il y a pas ce monde. Mais ben, je vais aller euh, dans les villes, euh, dans le, le capital. C'est là, en fait, il y aura plus de monde. C'est pas ça, en fait, euh, la vision d'un missionnaire. Un missionnaire, il va dans tous les lieux. Partout. Partout, il choisit pas de ville. Il se dit pas, voilà, écoutez, là-bas, il y a pas de véhicules, il y a pas de transport. Non, on a pris des de, de, de guacas. des, des de, de gua En fait, c'est juste parce que le Seigneur nous a fait comprendre que c'est pas le lieu. On n'a pas dit, voilà, on va rester à Abidjan, c'est là où il y a la facilité de transport. Non. Le fond fait des villages et euh, voir le villageois était touché, moi personnellement, j'étais encouragé. Amen. Je dis, waouh, wow, ces enfants-là, au fond fond des villages, ben, mais si on n'avait pas, en fait, le Sénat ne devait pas disposer d'aller vers là, on, on pouvait se dire, mais là-bas, c'est loin, on préfère rester à, sur Abidjan. Mais ben, on est allé là-bas, regardez ce que le Sénat a entrepris comme œuvre. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas dit, Seigneur, non, non, nous, c'est, nous voulons euh, Tarsis, pas Ninive. On n'a pas choisi. On s'est dit, Seigneur, merci. On y va là-bas, on arrive. si dit, waouh, à Moretou", je me disais, ça, c'est la mission. Amen. Parce que ce sont des coins où, euh, si on nous avait présenté peut-être avant, on s'est dit, mais c'est loin. Et dans le bus, voilà, les routes <laughs> ne sont pas à confort. On s'est dit, non, 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 Seigneur, pas là-bas non euh, à Yopougon parce que là, c'est plus facile, le, le, le terrain est plat. Et, euh, mm -hmm. Donc, en fait, c'est ce que moi, je comprends par rapport aux aspects au fait, de, la, de la mission. En fait, on n'a pas choisi le, le, le terrain. Mm -hmm. On va où le Seigneur nous envoie. Amen. On n'a pas à se dire, ben, moi, je suis archibishop, euh, bishop, euh, comme on joue avec tous ces bishops, tous ces archibishops. Il s'est choisi, en fait, le terrain. c'est le mission, c'est les États-Unis, New York. Euh, euh, Qatar, on sait qu'il voilà, Qatar, euh, ils vont récolter des dîmes euh, extravagantes. Mais c'est ce qui est important, qu en fait, c'est qu'on aille, qu aille vers les âmes. Et les âmes, le Seigneur a besoin, comme vous avez dit tout à l'heure, le pigments Et moi, je vous dis, si euh, vraiment le Seigneur permettait qu'on aille dans les forêts équatoriales tout ça pour évangéliser, c'est, je sais qu'il voilà, va le Seigneur va disposer des moyens. Oh, oui. mais, mais, en fait, c'est l'aspect, en fait, c vraiment. Ce n'est pas à nous de choisir des terrains. Ce n'est pas à nous de se dire voilà, je vais tel coin, c'est à Bijan ou euh, Kinshasa ou non. De, à à Kwamoutou, je ne sais pas dans quelle ville, dans le pays, dans les recoins, C'est là, en fait, nous sommes censés d'aller et, en, et enlever vraiment tous ces manteaux-là. Mm. Le manteau que, voilà, moi, je suis de Paris, euh, j'ai ma voiture. Euh, et je vais encore avec des soeurs le bus qu'on a pris pour aller. Je dis ben, j'ai ma voiture. Mais là, waouh! Je, je dis, Seigneur, merci pour cette mission. Et moi, personnellement, je suis vraiment encouragé de faire, toute cette, de faire cette mission et de prendre des moyens de transport. Vous euh, vont rouler, la fumée rentrer dans, dans le bus. Et tu pouvais tousser, mais je dis, waouh, Seigneur, ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Et voir des délivrances. Je dis, Seigneur, merci pour cette humilité que tu nous as fait voir. Et je sais que euh, avec les missions qui arrivent là, nous verrons vraiment à la gloire de Dieu. Donc on n'a pas choisi vraiment des, des terrains et comme euh, c'est qui, dommage, vraiment choisissent euh, des terrains d'émission. On parle de Jonas justement, il était, comme les Ninivites étaient les ennemis hein, des Juifs, les Assyriens. Et Jonas s'est dit, c'est une occasion justement, comme ils sont des grands pécheurs devant Yahweh, que Yahweh les détruise. Et du coup, ben, Dieu lui dit justement, Jonas, tu vas aller voir tes ennemis et puis... Euh, leur apporter moi, bah, bah, le message sur ma miséricorde. Non, mais Dieu, ce n'est pas possible. Es, ce n'est pas toi qui dois te comporter comme ça. En gros, hein, c'est voilà. Jonas, non, 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 il se sauve. Et, et euh, voilà, il aurait fallu qu'il soit vomi là-bas. Voilà. En tout cas, c'est très parlant, cet aspect de Jonas. Et euh, c'est beau. C'est beau. Mm. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, cette mission m'a permis de, de de réaliser le verset qui dit :« Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Et en fait, là-bas, euh, tous les messages qui ont été prêchés, c'est vraiment la vérité, la vérité. Et en fait, j'ai vu que les gens, ils étaient vraiment affranchis, en fait, parce que il y avait comme un fardeau dans leur cœur ou autre des délivrances, mais comme pas possible, en fait. Chaque année, enfin, depuis 2012, 2013, 2014, j'y vais. Mais cette année, c'était waouh, wow. <laughs> pour moi, la Côte d'Ivoire. Tu vas dans, le cadre, euh, dans un cadre personnel, hein, voilà, euh, familial, forcément, voilà, pas forcément à mission, donc tu non. rentres au pays, euh, tout ouais, ça, exactement. tu rentres au pays. Et là, donc, c'était différent. C'était différent et ça m'a vraiment touchée. Et je voyais, en fait, ces mémés, ces grands mères en fait, venir prendre le, le baptême. Elles ne comprenaient pas forcément français, mais en fait, elles avaient saisi, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans leur vie, ah, mais euh, elles euh, avaient saisi... Même pour le baptême, elle, elle courait, elle voulait vraiment prendre le baptême, elle passait devant tout le monde. Euh, wow. Et elle venait du village, elle venait du village pour venir prendre le baptême, pour euh, écouter la parole. Et, et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, oh là là, c'est nos grands-mères qui viennent, qui. qui ah, c pour moi, c'était trop fort. Gloire à Dieu, que Dieu Amen. soit béni en tout cas. Voilà, c'est des grands-mères qui. Euh, vous avez quelque chose Non, ça va, ça va. D'accord. Des... Que le Seigneur soit béni. Amen. Hier encore, on était parti euh, dans une ville vraiment. Euh, Parce que vous vous êtes rentrés ce matin, donc hier euh, soir, euh, hier, hier, hier matin, matin, matin voilà, matin. pour aller visiter. Euh, matin. Hier matin. Vous ce matin. Non, Eux, non, ils sont non. rentrés ce matin, non. donc hier. ils ont pris le vol hier soir, hier soir, donc hier matin. Hier matin, donc euh, on était parti dans une ville, était vraiment euh, fameux, un coin reculé, quoi, avec la série de mai, donc on était parti visiter un terrain. Une sœur a voulu vraiment donner un terrain pour l'orphelinat. Amen. Donc, vraiment, c'était un endroit. Vraiment, ils ont vraiment besoin de Jésus, parce que je me rappelle même la voiture de la soeur avait du mal à rentrer. Je regardais la sœur, dit non, il n'y a pas de souci. Donc, on est en mission. Donc, mm -hmm. on, a, on rentre jusqu'à ce que moi, j'ai dit bon, je descends pour euh, te guider un peu là où tu vas mettre des pneus. n'était pas praticable. n'était pas praticable. Donc, jusqu'à ce qu'on est arrivé, on a regardé moi je pense que la sœur vient reçu euh, te voir pour parler de ça. Vraiment que dit j'ai Dieu m'a mis à cœur vraiment de mettre nos ferlina ici vraiment, ouais. pour que ce, cette ville puisse bénéficier par rapport à la parole. Donc vraiment c'est très important vraiment moi cette mission m'a beaucoup marqué vraiment. Je me rappelle quand on était parti dans je pense Paul Bouy pour Bouy donc euh, donc euh, les seigneurs les, les m'a montré des, des, des femmes vraiment qui avaient des besoins Vraiment, parfois, ils n'avaient même pas à manger, tout ça là. Je partais leur voir en coulisses, je parlais avec eux, tout ça, tout ça. Vraiment, dit dis, ah mon frère, vraiment, que le Seigneur te bénisse, tout ça. Vraiment, on a besoin de vous, on a besoin de cette vérité. Vraiment, même nous-mêmes, on a rien, on nous, demande, on nous demande des dîmes, tout ça. Vraiment, c'est... Vraiment, je prie le Seigneur qu'il qu y ait encore euh, des missions dans ces pays, vers les fins fonds là-bas, que le Seigneur puisse le délivrer vraiment qui rencontre vraiment le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a trop de bishops, il y a trop... Vraiment, c'est compliqué, quoi. Moi, je crois que dans, dans peu de temps, vraiment, ce pays sera encore bouleversé. Amen. Vraiment, Dieu a vraiment besoin de ce peuple. Entendu les cris, vraiment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui prient en coulisses par rapport à, à Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est les temps, vraiment. Je prie, je... je... Je prie aussi que le peuple vraiment saisir le temps de la visitation. Il ne Faut pas encore dormir. Je sais que là vraiment Dieu a montré Son amour à travers eux. Vraiment, il faut vraiment qu'ils qu comprennent ça Vraiment, que le Seigneur soit béni. Il y a un frère quelqu'un me disait, un frère est venu le voir pour lui dire qu'il n'avait pas à manger, donc euh, voilà, qu'il avait faim. Et euh, voilà, donc la personne a été nourrie et. Euh, on a pu voir à hein, la base euh, là où euh, l'essentiel du, du, du groupe était logé et nous tenons vraiment à dire merci au Seigneur pour cette sœur ou cet homme, qui nous a, cette famille qui nous a cédé cette maison et, et aussi cet appartement où nous étions logés et euh, on était vraiment euh, encouragés. Et euh, donc euh, et on a, ça nous a fait du bien de prendre, faire toutes ces marches là à l'appartement où on était. Jusqu'à tout en haut, là-bas, chaque jour, je vous assure, les, les cuisses, euh, on, les, on les a senties. Hein, les, et euh, et c'était. <laughs> Comment c'est tes cuisses, là est -ce que Ça va, là Nous sommes sportifs. On est sportifs, ça, ça. Mais dans un premier temps, quand même, tu pas eu. Elles n'ont pas réclamé, non Elles n'ont pas j'ai un peu l'habitude, moi. Ah bon Je ne sais pas pour toi. Mais en tout cas, moi, le jogging, les pompes, oui. Mais là, les deux premiers, je ne sais pas pour vous. Samuel, je ne sais pas comment t'as... Frère Alain, s'il nous voit. En tout cas, la plupart des gens, là, c'était... Mais c'est beau, parce que, je disais, c'est une grâce, parce que comme on veut de plus en plus un peu faire du jogging, tout ça... et une belle occasion. Moi, je voulais bénir euh... aussi le Seigneur par rapport à... Merci, merci, pardon, merci en tout cas à la sœur qui nous a pris euh, cet appartement. Que Dieu te bénisse en tout cas. Euh... Je voulais bénir le Seigneur aussi par rapport à cette mission parce que nous avons missionné, si je puis dire... Juste... Trop fort le micro, on dit là-bas. Près de la bouche, c'est plus, plus fort. Oui, je dis, je voulais bénir le Seigneur par rapport à cette mission car nous avons missionné, si je puis dire, jusqu'à à la dernière seconde. Mm -hmm. C'est-à-dire jusqu'à l'avion. Ouais. Amen. On a distribué des bibles même dans l'avion. Amen. <rire> Amen, gloire à Dieu. y avait une soif, c'est-à-dire de le... Lorsque nous sommes arrivés dans, à l'aéroport, il euh, y avait un, un militaire qui était là et nous devions euh, donner chacun notre passeport. Le ministre, le, le, le militaire a vu le groupe et il a dit à son chef Tout ce groupe-là, il passe. C'est-à-dire que c'est l'une des personnes, oui. je pense, qui était là, qui euh, wow. devait être là, au programme de réveil. Wow. Nous sommes arrivés en haut, là où nous devions faire les, les, les check-ins. Et une sœur me demande Le, le frère Chora, il est parti <laughs> Puis lui, il est parti. Il me dit Bon, j'étais là, moi aussi. Hein, on lui a demandé ah. T'as eu ta Bible <laughs> ben, On voit vraiment que le, le pays est touché. Ah oui. le pays est Amen. Touché. Le pays est touché. Et euh, on a profité également. En tout cas, merci aussi à, aux frères et sœurs qui nous ont aussi aidés pour, pour les courses. Parce qu'il ne faut pas. faut penser à tout. Hein, vous savez, ce n'est pas toujours facile. Merci aux frères et sœurs qui ont participé financièrement à, pour cette mission. Il y en a beaucoup qui ont participé euh, matériellement financièrement. Et euh, merci aussi à ceux et celles qui nous ont aidés pour, euh, parce qu'on n'avait pas toujours le temps pour aller faire des courses. Parce qu'il fallait recevoir. Je me rappelle encore, on a eu une veillée vendredi. On est rentré, nous, nous avons. Euh, euh, on est rentré, euh, en ce qui me concerne, en tout cas, on est, je suis rentré vers, euh, euh, je ne sais plus, 3, 3, 3 heures, euh, 3 heures du matin. Et euh, on était là à 3 h du matin, dehors, en train de, de chercher un taxi et euh, quand un taxi est arrivé et, euh, et c'était beau je disais au frère laissez-nous prendre le taxi comme ça là. et euh, ça, on découvre en même temps aussi la nation le pays on mmh, fait connaissance mmh. aux gens on est rentré avec un chauffeur qui nous a vraiment beaucoup aidé et euh, contrôlé par la police tout ça on a pu euh, dire d'où on venait et pourquoi on était là et et puis euh, on est rentré par la suite je crois vers euh, euh, on a, ce vendredi, hein, donc la nuit de vendredi à samedi. Donc euh, le samedi, on a, on a, on a dormi vers 5h euh, parce qu'on a <laughs> fait un peu le point. Et 5h du matin, il fallait se réveiller. On s'est réveillé à 7h30, 2h30 après, parce qu'à 8h40, il fallait être à la mairie de Cocody pour euh, encourager un jeune couple qui se mariait. Et, mmh. euh, qui sont, ils étaient au, au Ghana. Et euh, donc elle, elle est du Gabon, lui il est de la Côte d'Ivoire. Ils se sont rencontrés au Ghana, c'est des étudiants et euh, à l'Assemblée du, euh, du Ghana, et il fallait vraiment les encourager parce qu'ils voulaient qu'il y ait une exhortation. Alors euh, on s'est retrouvé euh, là-bas pour exhorter, et le Seigneur Abraham a touché beaucoup de personnes. Mmh. Et ensuite, il euh, fallait recevoir d'autres personnes qui venaient de loin. On se disait, on est fatigué, mais on va quand même donner jusqu'au jusqu bout, parce que les frères et sœurs sont touchés par, par les enseignements par, via TV de vie, et on ne peut pas les laisser comme ça. Et euh, donc je vous disais vraiment merci parce qu'on n'a pas eu le temps forcément, pour, en ce qui me concerne, d'aller euh, au marché pour faire certains achats. Pourquoi Parce que quand on part en mission, des frères et sœurs aussi ici euh, ont des besoins. Et parce que le missionnaire, quand il part, il revient aussi avec. Euh, il a laissé des gens sur place. <laughs> Vous voyez Donc il euh, y a des souvenirs. Et c'est tout ça là qui font. Toutes ces choses qui font la beauté du royaume de Dieu. Et euh, j'ai sais qu'il y a des sœurs ici qui aiment par exemple la tchéquée. Hein? C'est un, 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 un repas. Il y a une spécialité à, 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 à Genèse ivoirienne d'ailleurs elle est venue euh, tout à l'heure elle a pu il euh, y en a eu une qui est venue qui est passée à la maison tout à l'heure pour récupérer qui d'ailleurs nous suit ce soir certainement et euh, récupérer ces deux sacs et ça encourage les frères et euh, je sais que par exemple des frères comme David aiment beaucoup les cacahuètes donc tout ça là et David a eu ses cacahuètes tout à l'heure il était dans la joie et euh, donc vous voyez c'est on en profite un peu par rapport au, au, au nombre de bagages qu'on a et pour aider les frères et sœurs et euh, en tout cas on aime la famille, on aime Amen. penser aux frères et sœurs. Et, euh, et, et je, voulais, je voulais vraiment dire merci à tous les missionnaires également qui sont venus avec nous pour euh, vos prières, pour votre soutien. Et que le Seigneur se souvienne de chacun. Et euh, il y aura certainement d'autres émissions euh, où vous allez pouvoir aussi bien échanger. Mais j'ai vraiment à cœur ce soir de pouvoir partager ce court enseignement parce que vous êtes nombreux à être connectés, énormément euh, à être euh, sur TV de vie, au Canada, aux États-Unis, aux, aux Antilles et partout dans les îles, dans, et en, en Asie, et il euh, y a aussi pas mal d'autorités qui sont touchées. Amen. Hein, pour vous encourager, hein, tout à l'heure, quelqu'un est venu, et je ne dirai pas le nom, mais c'est un ministre d'un pays africain Amen. qui euh, a envoyé quelqu'un pour demander si je pouvais le recevoir. Il est de passage à Paris, donc Amen. on le reçoit cette semaine, on a fixé le rendez-vous. Et, euh, qui veut la prière, qui veut la parole Amen. et qui aura sa BJC, oui. il est ministre et conseiller de son président. Oui. Donc regardez les choses que le Seigneur fait. Amen. Des ministres qui suivent les enseignements, oui. des colonels qui suivent les enseignements, des généraux qui suivent les enseignements, des enfants des présidents, des présidents eux-mêmes. Et, euh, et ce qui est magnifique, c'est que euh, les frères et soeurs ne courent pas après leur argent. On leur apporte l'évangile oui. gratuitement et, euh, et les gens sont fortifiés, les gens sont encouragés. Les gens sont touchés. Et euh, ce message, pour finir, hein, ne se limite pas seulement à un groupe de personnes. C'est vraiment l'évangile qui touche toutes sortes de personnes, hein, toutes Amen. les nations, toutes les nationalités, toutes les couches sociales. Et, euh, et c'est beau. C'est beau. Et euh, que le Seigneur soit glorifié, toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous sommes que le serviteur inutile. Ne vous arrêtez pas sur nous. Nous avons nos failles, mais nous avons une seule motivation c'est de voir Dieu élevé les âmes libérées. Et euh, au nom de Yeshua. Le 18 décembre, nous sommes à Londres. Beaucoup se bousculent déjà pour y, pour y être. Un couple, un frère m'a appelé d'Allemagne hier pour me dire qu'avec sa famille, ils ont pris des billets pour Londres. Et euh, donc, je dis aux frères et sœurs de Londres de se préparer parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir de pas mal d'endroits euh, pour ce programme. Et euh, en tout cas, que le Seigneur soit béni. On va voir si Dieu permet d'ici octobre, d'ici novembre, pour avoir. Euh, une, une nuit de prière ici à l'île de France si le Seigneur le, le permet en tout cas merci aussi à, à Samuel pour euh, l'organisation sur place hein, au niveau de la le d'Ivoire, parce que tu nous as précédé ça n'a pas été évident hein, pour, euh... non, ouais. ça n'a pas été évident parce que on a nos habitudes ici internet, etc, le téléphone et euh, là-bas c'est pas toujours évident la mobilité, les transports etc, mais les frères et soeurs là-bas étaient beaucoup motivés ce qui a permis, enfin, ils se sont donnés à fond pour, pour nous recevoir avec le peu de moyens qu'ils avaient. Et euh, par la grâce du Seigneur, ça s'est bien passé. J'ai été surpris de, de l'ampleur du programme, de tout ce qui s'est passé, tout ce que le Seigneur a fait. Donc je pense que, euh, que toute la gloire revient du Seigneur. Amen. Je pense que le temps de la Côte d'Ivoire est arrivé Amen. Et, que, et que les ténèbres ne régneront plus. Amen. Tu rentres au pays, non? Oui, bientôt. On me prépare à rentrer de plus en plus. Oui. Ça sera sur Abidjan, sur... Pour l'instant, je, peu importe. Peu importe. <laughs> en tout cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà. Euh... <laughs> aïe, aïe, aïe. Bon. Avec les Bacas. Vous savez qu'on s'est sablé, hein oui. On s'est <laughs> sur le retour. Je sais pas, j'ai failli oublier les autres épisodes. <laughs> sur le retour. et... Euh... Parce qu'il fallait rentrer plutôt pour voir d'autres personnes qui nous attendaient. Donc, euh, pour ceux qui ne, pensaient, ne savaient pas pourquoi on partait plus tôt, c'est parce qu'on avait d'autres obligations, frères et sœurs. Donc, vraiment, c'est. Voilà. Donc, euh, il fallait ça, répondre aux besoins ici et là. Donc, on est parti plus tôt parce qu'il y avait des gens qui, euh, qui avaient des besoins aussi, quelque part, ailleurs. Et sur, la, sur le chemin du retour, on prend euh, une autoroute hein, donc, qui est euh, qui qui prise en travaux. Et arrivé à un endroit, elle était barrée. Et euh, maintenant, euh, entre les deux routes, les deux autoroutes, il y avait du sable. Hein, donc, euh, et euh, c'est du sable mouvant, on ne le savait pas. Et euh, alors, les deux véhicules sont rentrés dedans. Tac D'abord, le véhicule qui nous précédait, celui d'un frère, et, euh, et qui euh, bah, s'est ensablé. Et puis, moi, il y a une sœur qui, euh, qui est le deuxième véhicule, hein, donc avec son véhicule. Euh, il fallait passer ailleurs. Et euh, donc, j'ai demandé à prendre le volant pour. L'aider, et eh bien là, ensemble. Alors, euh, on est descendu. C'était pas la prière. Hein? <laughs> je crois que tu avais prié, non Non, non, non. non c'est pas toi. Donc, non, là, c'était les jambes. là ah, c'est Julien ah. qui, avait, qui avait prié, je crois. Alors là, on est descendu. Il fallait avec les mains et. et euh, c'était une belle expérience. Merci Seigneur. Et euh, voilà, donc, salut. Il vous a préparé physiquement on a avec mis les trois jambes. Hein. Chorin, avec hein? des wow. jambes, il vous a préparé physiquement. Ah, complètement. Je t'assure, c'était la totale. C'était la totale et euh, c'est et, 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 et beau. On et, et euh, n'avait rien comme instrument mais on nos babouches, nos claquettes. Voilà, donc, euh, on a pris les claquettes. Et les, les, à la les... façon vitrée. Hein. Voilà, mais ah, c'était une belle. Il y en a filmé, donc, vous euh, <laughs> verrez certainement les images et c'est beau. En tout cas, merci euh, aux autorités ivoiriennes, et, euh, au président, au ministre. Merci euh, aux autorités également ici euh, qui travaillent à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, qui nous ont facilité la tâche pour, pour l'obtention des visas. Amen. Hein, donc je, passe, je pense à cette sœur euh, dont je tairai le nom qui est cousine d'une grande autorité au pays là-bas, qui nous a facilité le visa. Et euh, vraiment, que le Seigneur te le rende au centuple. Et Amen. Euh, merci à tous les frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Amen. On dit quoi Voilà. <laughs> à quoi bas. Donc, euh... <laughs> à bientôt, mes bien-aimés de la Côte d'Ivoire. Et nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Oh, au nom de alors, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Venant à combien de personnes?